Ça commence dans exactement 10 minutes, 10 minutes avant l'heure, on commence cette édition spéciale aujourd'hui. Émission spéciale parce que l'occasion est spéciale, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est la fête des pères, la fête des papas. Trop souvent, on célèbre la fête des mamans et on oublie la fête des papas. Les mamans, certainement, sont très importantes, mais aussi papa est important autant que maman. Nous allons voir ça tout à l'heure, comme ça, dans l'émission. Donc, depuis nous pouvons commencer l'émission, c'est vrai, mais depuis nous commencer sur l'écran télévision, m'a salué tout papa à la ronde badé à travers le monde qui branchait téléimage sous différents réseaux côté émission ça a passé. Nous allons commencer tout à l'heure comme ça. Alors, je rappelle encore une fois, on commence dans 10 minutes. C'est toujours l'habitude de Téléimage. Habitude, nous, c'est venir devant écran télévision, devant écran internet, là, quand on va regarder quelque chose à côté hier, pour nous saluer d'abord et puis nous dire merci, merci parce qu'on choisit Téléimage pour passer entre une heure de temps, deux heures de temps. Peut-être ça qu'on y va plus que deux heures de temps. Et nous, on y va jusqu'à trois heures de temps même. Mais nous, pas jamais jouer, n'est-ce pas? Puisque l'émission a commencé dans la zone côté nous hier, dans New York. Elle a commencé exactement à 9 heures. Nous, on finit. Et oui, rarement nous finit dépasser minuit. Mais je dis à nous, peut-être pas attention fait ça, malgré que émission ça spéciale, je dis à pour tout papa yo. Papa yo, à l'honneur, je dis à, c'est fête papa yo, nous pourrons parler de ça. C'est fête l'autre monde tout, il y a plusieurs autres monde qui a fêté, célébré anniversaire yo, pendant mois ça, et dans la semaine, il a été célébré tout, nous pourrons parler de ça. Donc, à commencer, du que nous t'avons déjà, nous, Barbara a posté une belle photo, oh my god, nous tombons dans moi encore une fois là. Barbara qui, il semble, par contre ça, je ne sais c'est quoi ses intentions. Mais c'est aussi nous marquer dans Kaïn, hein, et ils ont l'autre comportement, ils ont comportement de teenager, ils ont comportement de femme qui a rajeuni dans l'esprit et dans le corps, juste parce qu'elle veut charmer son mari, n'est-ce pas, Barbara? C'était son anniversaire, elle a rajeuni carrément. Encore une fois, je commence par dire joyeux anniversaire à ma chère femme Barbara. Moi, je rejoins toute équipe Téléimage, Gary Atidor depuis ses studios à Queens, et tout le staff Téléimage de loin, de près, qui a payé des émissions, ça arrive et fait, ou même tout cap gardé là, tous amis internautes, téléspectateurs, tout, pour nous dire un bon anniversaire à Barbara qui continue à fêter. Fête là, c'était dans début week-end, là, mais il continue à fêter tout le reste mois, c'est pour Barbara. Donc, à côté de fête des pères, fête papa, yo, Barbara fête lui-même tout, et il y a l'autre monde qui a anniversaire, yo. Pendant moi, ça, nous pourrons parler de ça. Donc, c'est dans 10 minutes. Là, maintenant, dans 8 minutes que nous pourrons commencer. Comme nous toujours fait, c'est le moment côté nous venons inviter. Nous venons demander, et bien, si c'est vrai, il y a quelqu'un qui n'a pas trouvé nous, et il y a quelqu'un qui n'a pas de brancher, il y a quelqu'un qui a perdu l'habitude, habitude ça, la bonne habitude de se brancher à partir de 9h. Sous réseau, page Facebook, nous par exemple, et il y a quelqu'un qui a déjà branché sur page YouTube, nous. Oui, the regulars, moi qui habitué régulier, qui habitué venir sur page YouTube nous, nous ouais, nous cap monter. Mais si pour ça nous même tout qui sur page Facebook yo. Donc ti habitude à nous prendre s'il vous plaît. À nous commencer avec les bonnes habitudes du dimanche. Gagnon internaute qui te dit Valerio, c'est la messe du dimanche c'est l'image. Une messe qui commençait à 9h du soir sous écran télévision tout parce que l'image sont émission télévision, nous pas parler de ça. Du moins, si nous voulons rappeler que nous sommes émission de télévision, c'est important. Nous pas seulement on live Facebook, on live YouTube ou bien sur réseau et réseaux sociaux, mais sont émission de télévision qui passait sur Verizon Fios TV à partir de 9h du soir à soir là au branché. En différé, on va regarder l'émission, ça c'est sûr. Samedi et dimanche à 9h du soir sur la chaîne 40. Et puis le vendredi, c'est sur la chaîne 20 à partir de 9h du soir. Et puis jeudi, on a commencé à 10h pour le monde qui est dans Long Island. Eh bien, 10h sur Channel 20 toujours, dans Brooklyn, nous sous Channel 69, le samedi, à partir de 4h30 de l'après-midi, ça c'est sous écran télévision. Nous pas commencer tout à l'heure comme ça, donc est-ce qu'on branche? Donc, nous disons que l'habitude d'enfant, nous renouer avec les bonnes habitudes, nous reprenons l'habitude de brancher ensemble avec vous. C'est sûr que je tiens siège pour Barbara, c'est Barbara qui est titulaire présentatrice de cette émission. Je dis à, non seulement c'était fait lui, mais le travail en pile, comme un real estate agent, n'est-ce pas? Et puis tout, écoutez, Barbara fait beaucoup. Elle a la parfumerie de Barbara. Ligue nous même comme client qui toujours demandé, nous t'aimons mes genoux car elle a marché en difficile ces jours-ci dans affaires real estate. Barbara, c'est lui seul qui est capable de faire jouer un caille dans les conditions que nous avons avec, eh ben, avec sérieux, avec compétence et rapidité tout que fait nous jouer. Déjà, Barbara, sous toi, je pense que la, alors quand je dis Barbara, c'est surtout Team Saint-Louis, il faut dire. Dirigé par Barbara Saint-Louis. Team Saint-Louis déjà, mettez toi mon kai, nous gagnons un kai que nous vendons et deux autres mouns qui gagnent un jeune kai par eux, donc on s'est très satisfait. Donc c'est tout ce travail que fait Barbara qui fait que je dis à Lydie Valerio,
m'a petit congé avec Eternautio téléspectateurs. Dis-yo ça pour moi s'il vous plaît, excusez-yo pour absence moi. Donc m'a fait ça, m'a demandé nous excusez absence Barbara, surtout qu'elle fête, elle continue à célébrer et puis vous faites des pères en tout. Barbara a bien cuisiné à la maison, donc il make sure que eh ben papa bien mangé dans carré là, il bail cadeau tout, donc elle a beaucoup fait. Donc on s'excuse pour l'absence de Barbara, mais moi ensemble avec nous. Donc au même qui brancher, s'il vous plaît, n'a demandé partager vos transmissions ça, partager live ça, pas que pour vous seulement, parce que nous qu'on est, et habitué à toujours là, habitué à toujours tourner, c'est fanatique, yo, c'est monde pas télé image, mais il y a l'autre monde qui t'a amené l'émission ça tout. C'est une émission qui se présente en format de magazine télévisé. Nous respectons ou même Capgadé là, nous présentons nous de façon correcte et nous respectons tête nous tout. Donc je vous dis à une autre fois encore, nous pourrons former, informer et puis divertir à télé image. Voilà, déjà, je merci pour les messages qui me viennent directement. Mes messages en nous mettant en emballage plutôt. Eh bien, c'est sûr, c'est les gens qui peut-être si nous pas enregistré sur page Télé Image, si jusqu'à présent nous pas enregistré sur page Télé Image, ben me dit nous carrément chez mon yo, moi pour nous, parce que faut nous enregistrer sur page là. Les lives ont commencé, n'a besoin une notification qui a venu automatiquement qui a fait nous connaître que nous commençons déjà. Nous même tous sur page Facebook là, nous capable you can of course, you can follow us on Facebook, ou capable suivre nous sur page Facebook nous. Nous sommes capables d'enregistrer, abonner à page nous. Donc, il y a deux ou trois personnes qui n'ont pas fait ça. Et certainement, ils ont toujours demandé pour envoyer le lien en bas, puisque l'émission a commencé, nous avons envoyé le lien en bas. Voilà. C'est ce que je fais pour le moment. Alors, on va tout dire que je dis à une émission très intéressante. Évidemment, nous allons connecter avec Studio Queens, nous, côté que collaborateur nous, Gary Altidor, branché l'aptan nous, pour nous commencer l'émission ça. Pour l'émission côté que nous allons faire, on va aller mener Vini sur ça qui marque l'actualité dans le pays d'Haïti, pas bon ici dans la diaspora, dans la cour New York, qui ça qui marque l'actualité pour nous, pour semaine ça qui se passe là. Et puis, je dis spécialement, nous annonçons, nous avons deux invités de marque. Invité ça, c'est pas n'importe qui, question musique haïtienne, question entertainment, question HMI. C'est deux gros potos garçons dans les affaires musique haïtienne parce qu'ils ont une belle fête, une belle balle qui a fait là le week-end prochain. Déjà moi-même, Paris mal dans balle ça, vous êtes tous invités, mesdames et messieurs. Nous aurons donc le plaisir d'avoir avec nous deux grandes têtes de deux formations musicales qui se passent de présentation. On va parler de Magdon Ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors éventuellement, on a Tico Pascal Soulina avec nous, on a peut-être pour le monter. Et puis, du côté de musique, oui, ça son jazz, enfin... C'est une première fois que nous avons chance de Fabrice Rouzier ensemble avec nous, musique. Et il y a une question que nous avons posée. Sous une question, nous déjà invitons et préparés pour poser question. Et c'est surtout pour nous inviter dans une belle soirée ça que Jazz Enterprise a fait très bientôt. Donc deux messieurs à part avec nous. Et puis certainement, nous avons parlé politique, nous avons parlé tout ça qui intéresse nous, ce qui nous intéresse nous autres les Haïtiens vivant à l'étranger, à l'extérieur du pays, et nous-mêmes tout cas vivant dans le pays. Tout ça qui intéresse nous souhaitons parler de tout ça dans la plateforme, sous plateforme Télémain ça. Oui, je vois des messages qui m'arrivent là, mais il y a deux monde qui... Voilà. Merci pour nous, on commence à brancher. Merci pour ça. Nous passons à l'inouta de ça. En attendant que nous connections avec Studio Queens, nous, dans exactement 3 minutes, on commence cette émission. Télémain, pour commencer à le ça. Nous venons chauffer sous ensemble avec nous, avant que nous montions sous terre, hein, pour nous commencer à rouler ballon, n'est-ce pas? Mais c'est une façon de faire... C'est une analogie. L'émission s'attaque à un bel match football côté que nous tous n'avons vu dans la même équipe là. Nous avons équipe Téléimage, vous voyez? Ok, on commence tout à l'heure. Dans une minute et demie, nous allons commencer. Nous parions, nous brêchons? Est-ce que nous là? Ok. Encore avant de commencer l'émission ça, m'a rappelé nous que l'émission ça, c'est une émission qui a plusieurs monde qui patronnent. N'a demandé aussi vous plaît supporter. Et ben tout business, tout entrepreneur, tout haïtien qui comprend le travail que Télémage a fait et qui comprend que l'important pour faire business avec Télémage, passer réclamer notre Télémage à ses commanditaires, on dit merci d'abord, nous déjà dit merci pour patronage et n'a demandé supporter tout commanditaire ça s'il vous plaît. Et puis surtout, partagez cette retransmission en direct depuis New York, la capitale du monde. Vous êtes branchés Téléimage
nous pourrons rencontrer, pas connecter avec studio nous à Queens, New York, côté que nous pourrons rejoindre collaborateur nous, Gaël Altidor. Aujourd'hui, pour ceux-là qui déjà demandent pour Barbara Saint-Louis, moi, je vais vous demander pour Barbara, puisqu'elle est la présentatrice titulaire de cette émission. Barbara, prends congé à ceux-là, ils font si fatigué, ils disent, mais ils sont avec nous en esprit et en cœur. Voilà, c'est parti dans quelques minutes, pas même ça, hein, quelques secondes. Nous allons commencer, oui, là, lui arriver. Téléimage, il faut être à l'heure. La ponctualité est de mise à Téléimage. Il y a time. Et on commence tout de suite. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Téléimage. Bonsoir, bienvenue, quel que soit côté y a ou branché, peut-être que c'est bonjour pour nous dire, mais quand même, nous saluons avec un grand plaisir. Merci parce que déjà, nous commençons à monter, les habitués sont déjà là, nous pouvons saluer un pile monde qui commence à monter sur page nous, sur page Facebook nous, et puis sur page YouTube nous tout, nous certainement nous pourrons évidemment, merci à tout le monde qui a monté sur page Facebook nous. Et vous autres du côté de YouTube, d'après ça, nous t'allons, oui, messieurs, dames. Voilà, à tout de suite. Alors, bon, moi, je fais des arrangements techniques rapidement, puisque nous étions supposés qu'il y ait deux invités, et nous avons eu une en attendant. C'est pas grave, nous attendons que. Alors, permettez-moi de faire arrangement. Yo. En attendant, on salue tous ceux-là qui sont déjà branchés, en attendant que nous connections avec Studio Nuna Queens. Je fais ça rapidement. Et, bonsoir tout le monde, bonsoir Marquezi, Pierre Marquezi, toujours un plaisir. Hein. Marquezi qui finalement, et on va parler de Marquezi aujourd'hui à cette émission, parce que là, nous t'es fait. Et voyage en mission dans la zone Californie. C'était tout un plaisir pour nous gagner Marquezi comme collaborateur, Marquezi qui peut t'aimer ensemble avec nous, qui t'a aidé nous. Merci Marquezi. Et puis nous gagnons pile monde que nous pas habitué ouais, que nous ensemble avec nous. Bon, faire arrangement rapidement. Voilà, c'est mieux comme ça. Ok. Donc juste avant nous saluer Mounio, en aller, connexion avec nos studios à Queens, New York. Je me rappelle que l'émission ça, Livine, je vais nous quelque soit côté à travers le monde, depuis New York. New York, je me considère comme la capitale du monde. N'en déplaise à ça qui va croire que c'est la capitale du monde pour tout bon vrai. Alors, c'est Long Island qui a connecté avec Queens, New York. Bonsoir, Gary. Bonsoir, Valerio. Welcome back. Et je connais pas. Yes, merci. Je ne connais pas jamais de pour faire des paix là, parce que c'est Boy City dans Baldwin, côté à. Fête de paix la chauffer. Et n'a pas salué tout le monde, toutes téléspectatrices et téléspectateurs qui parouent nous deux, trois jours. Et nous connaissons nous, raison, nous connaissons que nous avons pile travail pour Valérie te fait. Et nous connaissons beaucoup de Barbara, qui a pile travail pour te faire. Pendant Valérie était là, pas là, c'est lui-même pour contre lui qui t'a frappé. Et parce qu'il faut te bailler mon service. Et moi-même, je suis obligé d'être en stand-by. Pour nous tenir venir et pour nous continuer à faire ça qu'on a habitué à faire. Nous saluons tout le monde, nous là encore. Valerio, Happy Father's Day. Nous avons dit ça comme ça, je dis à vous. Merci, c'est ça, dit. On commence par saluer papa. Mais juste avant, nous avons invité qui est vraiment patient. Nous pas voulu faire inviter en temps de toi, pas inviter ensemble avec nous. Nous voulons saluer le tout. On salue, on dit Happy Father's Day, son papa lié tout. Et je me suis dit, son papa, et qui est-ce que je me suis dit là, avant nous mettre le sous-plateau? Son papa, parce qu'évidemment, il est petit, mais son papa tout. Dans la musique, là, pour moi, son papa. Un papa qui permet que la musique haïtienne arrive dans l'autre dimension. Nous parlons de qui est-ce? Bon, nous avons déjà annoncé qui est-ce. Oui, nous parlons de saluer le monde qui est là. Allez, on salue notre invité depuis Haïti là, pour rejoindre nous. Merci pour ça, merci pour la patience.
qui nous a montré jusqu'à présent avec nous, Monsieur Fabrice Rouzier. Fabrice, bonne fête des pères, Fabrice. Bonne fête des pères, Valério. Bonne fête des pères, Gary. Bonne fête des pères pour tout le monde, tout fanatique Téléimage et tout auditrice surtout, parce que il y a maman qui papa tout. Et donc n'a pas dit bonne fête des pères tout. Ouais. Et n'a pas salué tout papa qui conséquent et tout papa qui occupe petit monde bien et tout papa que famille est fière de lui-même. Bonne fête. Très bien, merci pour ça, Fabrice. Nous saluons aussi invité nous à Soya. Nous allons parler, évidemment, depuis ouais, Fabrice, c'est musique que nous allons parler. Nous allons parler de musique, nous allons parler de belles fêtes, ça, que quoi déjà tout le monde qui branché en bas là, il y a déjà qu'on est, il y a déjà une adresse là, il y a qu'on est date là, il y a qu'on qui fête lié. Mais tout, Fabrice, vous allez permettre de nous parler de un petit peu carrière. C'est un plaisir pour nous gagner pour la première fois sur le plateau Téléimage. Ça a été fait déjà. Mais quand même, bon, c'est une première. Mais nous allons. Rapidement, messieurs, entre nous là, puisque nous commençons avec souhaiter tout le monde Happy Father's Day. Papa qui est petit, qui n'est pas occupé, nous pensons que nous supposons dire bonne fête des pères, tout, soit dit Fabrice, même si vous pas conséquent. On dit bonne fête des pères quand même. Moi, je pense que oui, il faut que nous disions bonne fête des pères, parce qu'il y a toujours une bonne façon pour corriger ça. Et je pense que mon papa qui n'est pas occupé petit, il n'est pas jamais trop tard. Et pour que vous fassiez ça qui est correct là. Et pour être capable d'occuper Timoun. Et je pense que pas une plus belle bague avec Timoun. De toute façon, Timoun, c'est prolongement ou même lié. C'est ça qu'on pourrait allier dans le futur. Et première mission, c'est occuper Timoun. Donc, que le son papa, que le son maman, quoi que c'est rôle fondamental là, tout bague secondaire. Mais en même temps, un papa qui pas de prendre responsabilité pour n'importe qui raison que lié. Et je pense que toujours une façon pour corriger ça. Et me souhaiter ça, je veux dire, à son bel jour. Et me souhaiter que l'année prochaine, même papa, par conséquent, et petit yo, capable de dire vraiment bonne fête, papa, et welcome back, basically. Donc, vraiment, parce que oui, nous pas qu'à juger un monde qui pas prend responsabilité, mais en même temps, nous voulons dire tout, que les pages doivent avoir une responsabilité. Fait fort. Parce que Gary, vous d'accord avec moi que un papa, c'est pas forcément. Un monde qui, un garçon, on nous dit qu'il est petit. C'est un peu plus que ça, mon papa. N'est-ce pas, Gary? Responsabilité. Ouais. Et son bel bagage tout, vous connaissez, fait des pères l'arrivée, et puis sous patte là, et tout collé avec Timoun, par le fait que il est toujours en bas, il est toujours ensemble avec vous, il est toujours well, et puis il prend le téléphone, ou il prend le téléphone maman pour lui dire, après des. Nomade Watt, c'est pour ça fort frémi. Valérie. Oui, son bel bagaille. Son bel bagaille. Un bel bagaille. Maintenant, maman qui papa yo. Fabrice, ou te fait ouverture ça, pendant qu'on a souhaité bonne fête des pères. Gen maman tout qui papa. Ça, mesdames, ça yo, un coup de chapeau spécial pour yo. Et m'a connu pour qui soit fait ouverture ça, Fabrice, pardon. Et m'connais que yon femme là, kap gade là, yo se potomita, yo se papa tout. Mais je pense que, enfin, femme d'abord, c'est l'hypotomie de la famille. Hein. Mais malheureusement pour nation, il y a une exagération de femmes qui sont obligées de prendre un rôle ni maman ni papa. Et parce que il y a un papa qui a un pile papa oui, dans la communauté, que tu es New York, que tu es Haïti, que tu es Miami, dans la diaspora, qui n'a pas pris responsabilité. Et son bagage qui est fondamental pour que tout le monde ne ni maman ni papa. Donc, le timon a levé et d'habitude il vient joindre et vraiment et bon vide le gars là qui pas là mais le plus souvent c'est papa qui pas fait rôle. Oui, c'est une bague que nous remarquons dans la société pas nous, enfin en général on nous dit plutôt bable dit seulement pour dire c'est pas ici seulement hein, parce que même dans la communauté noire américaine dans l'autre pays tout. Papa a tendance à se jeter. Bon, pour quelque soit raison, là, nous commençons par peut-être, nous trois qui sommes sur le plateau, là, pour nous peut-être mettre en contexte, faites ça. Parce que très souvent, et trop souvent, c'est fait maman qui a une pile d'importance. N'a pas gardé et bel cadeau, messieurs, à pas acheter pour maman. Yo. Bon, maman, même, c'est fait nan tellement, il a marqué d'une façon spéciale. Pour faire papa, il n'est pas aussi marqué, bon. Sauf que il y a deux papa yo même yo pas joué dans question ça il y a ti moun tout qui remet dit papa yo qui remet papa yo en pile qui veut dit papa yo bonne fête des pères donc là nous voulons et commencer ba un ton et ba fête la ton que le supposé gagner parce que gros ami monsieur bon pas ami on dit carrément
Evans Blaise Jazz Enterprise. Vous connaissez Evans Zim? Evans Zim, Valerio. Alors, je salue lui, je dis mon cher Happy Father's Day. Il dit Valerio, Father's Day, c'est le matin seulement. Et puis, la journée, il va pour nous encore. Non, il faut aller au travail, il faut faire ça pour nous faire. Contrairement à fête maman. Mais il faut faire fête papa importance. Rapidement, oui, Fabrice, en Haïti, son fête qui a importance? C'est un fête qui gagne toute importance li et li pas fête même le avec fête papa qui a fête jeudi à li fête dans fin mois même j'ai avec fête maman qu'on est en décalage entre fête Mother's Day et puis fête des mères en Haïti même j'ai fête papa c'est dans fin mois que le bras li mais écoute c'est une célébration qui gagne toute importance li parce que gagne des papa même je nous parle de papa qui pas prend responsabilité mais gagne des papa modèle gagne des papa qui travaille dur et qui sacrifie toute vie pour progéniture et pour même plus et moi crois que fête là en fait c'est pour célébrer gens de modèle ça et monde ça qui baille toute corps et qui baille sang yo et vie yo pour que petit yo ouais on demain qui meilleur que ça même yo vive donc moi pense que c'est un belle bagage pour célébrer papa dans n'importe qui pays que lié donc c'est un jour qui gagne toute importance autant que fête maman c'est un fête qui vraiment vraiment absolument importante tout à fait très important et d'ailleurs nous prenons le temps pour nous saluer et téléspectateurs nous et internautes nous qui commencent à monter là n'a dit merci pour ça sous différentes pages nous et nous commencer encore une fois. Oui, Makedi qui est toujours là. Merci pour fête de père. Makedi, ils ne sont pas capables là. Happy Father's Day, Makedi. Ils sont Magnum, ben oui. Oui, Happy Father's Day. Bon, salut, Baliamit Pierre, Happy Birthday to you, beautiful queen. Parce que, évidemment, c'est la fête de Barbara aussi. Baliamit, cap salut Barbara. Baliamit, merci pour ça. Margaret Schout, nap salut ou. Thank you for the Happy Father's Day for everybody. Meritoni Nathan, merci. Philippe Chauvel, I'm content. Wow. Yes, happy Father's Day to you too, you and your twin brother. André Jo, c'est toujours un plaisir pour nous. Marie-Denise Jean, que l'on salue, qui lit même tout branché. Merci tout le monde. Jean-Jacques Kessner, merci. Depuis Santiago, Chili, au branché. Merci pour ça. Et puis, Sophia Pierlus, que nous saluons. Yes, indeed. Jazz Blaise is here. Ok, Evans, Happy Father's Day encore une fois. Et puis pour les gens qui sont page YouTube, nous, pas fait des jaloux, nous là, Claudine La Jeunesse, bonsoir, ou à regarder depuis Palm Beach Gardens, dans Miami. Monsieur Marcel Denis, toujours un plaisir. Well. Nous prenons saluer le commanditaire. Fabrice, merci pour petit temps, qu'on est l'ita, nous pas beau top, nous prenons entrer d'emblée dans le sujet. Mais permettez-nous saluer le commanditaire, parce que même tout, il est important pour nous. Parce que l'émission ça, certainement, il y a des gens qui patronnent. Et nous disons gros merci à tout le monde qui branché. Et surtout le monde qui patronne l'émission ça. Vous êtes à Téléimage, l'émission a commencé. Merci tout le monde. Happy Father's Day, évidemment. Nous avons sous écran. Notre invité aujourd'hui, c'est Fabrice Rouzier, bien ensemble avec nous depuis Haïti. Weekend Son Théodore. Vraiment un plaisir pour moi tout. Nous avons pile artiste qui a monté là. Nous avons commencé avec un musicien qui a monté. Weekend Son, oui. Merci pour ça. Bonne fête, papa, ou même tout. Superstar. Yes, à nous saluer commanditaire. This edition of Téléimage is brought to you by Cambria Meat and Seafood Market, un supermarket 100% haïtien qui vend tout produit la caille. Bon Jean du riz grand pampan, tout produit grand pampan. La l'eau n'a besoin lambi pendant toute année, toute saison. Vous avez un spécial deal pour tout restaurant, spécialement restaurant haïtien. Vous faites delivery et puis vous vendez nous en gros à bon prix. Grele Cambria Meats and Seafood Market dans 718-977-1011. Vous avez un spécial pour tout restaurant haïtien. Cambria Meat and Seafood Market. Also brought to you by Hope, Haitian American United for Progress. Hope cap servi communauté depuis année 1975. Nan Hope wap jwenn tout service communautaire pour ti grand moun nou yo. Service garderie, service immigration, classe ISL. Rele Hope nan 718-527-3776. Yo gen deux offices, yon nan Queens, yon nan Brooklyn. Hope 718-527-3776. Brought to you by Big Apple Urgent Care. Excellent care from medical professionals who care and listen. Big Apple Urgent Care, 3805 Church Avenue in Brooklyn, New York. Telephone 718-287-0616. Also brought to you by Eleseco Sécurité.
305-892-0680. Ecosécurité, c'est une compagnie de sécurité moderne qui a des agents de sécurité bien formés, spécialisés dans la défense et protection VIP, dans la foule, dans la situation difficile et zone hostile. Bodyguard, gardiennage, Ecosécurité à Bausa. Propre. Ecosécurité, dirigé par Maître Michelin Nestor. Also brought to you by Belle Image Graphics, 516-292-4400. For all your marketing, branding and graphic designs, Belle Image International Group. Think big and dial 516-292-4400 or 516-399-0244 on WhatsApp. Belle Image Graphics, 479 Hempstead Turnpike in Elmont, New York. Also brought to you by Good Taste Restaurant in Flatlands, Brooklyn. Good Taste Restaurant dans Brooklyn, c'est deuxième restaurant Good Taste qui l'ouvre dans la cour New York. Gen yon dans Queens, gen yon qui dans Flatlands Avenue dans Brooklyn. Restaurant ça standard, cap servi bon manger cuisine haïtienne la caille. Bon manger cap servi, toute qualité manger. Et puis nos standards internationaux. Bon qualité, restaurant bel, li propre. Good Taste Restaurant dans Flatlands, il dans 5919 dans Flatlands Avenue dans Brooklyn. Téléphone 718-709-9717. Good Taste Restaurant in Flatlands, 718-709-9717. Brought to you by the Real Estate Power Team, Barbara and Valerio Saint-Louis. Looking to sell, to buy your house, your property, your home? We are your trusted real estate advisors. Barbara and Valerio Saint-Louis, 516-805-5410. Brought to you by Rio New York, the emerging streetwear brand. Look out for it. www.rionewyork.co. Rio New York. Also brought to you by BarbarasPerfume.com. The best exotic French perfumes, beauty and cosmetic products, best skincare and hair products from France and Europe. BarbarasPerfume.com. Located at 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island. Or call to speak to the perfume lady. 516-805-2318. Log into BarbarasPerfume.com. Click shop and buy. We ship all over the US. BarbarasPerfume.com. 516-805-2318. Branchez Téléimage chaque dimanche à partir de 9h du soir. Sous page Facebook, nous, sous page YouTube, nous. Téléimage avec Barbara Saint-Louis, Gary Altidor et Valerio Saint-Louis. Branchez, partagez live là. Bienvenue à nous toutes qui branchez à la Ronde Badet à travers le monde sous Téléimage. Encore une fois, je rappelle que Barbara est absente aujourd'hui. Je tiens siège donc pour Barbara Saint-Louis, qui est la présentatrice titulaire de cette émission. Le dimanche, c'est Barbara qui met l'émission. Je dis, nous comptons ça. C'est certainement avec plaisir que nous t'aimons, well, mais excusez son absence encore une fois. Aujourd'hui, l'actualité, c'est une activité qu'a faite dans New York. Il y a encore une fois, Gayoun, dans l'équipe de promoteurs, ou du moins son compagnie de promotion. Promotion de la musique haïtienne, et puis promotion Belle Balle, Belle Fête, qui lui-même répond sérieux des engagements, ça que le prend pour le poté, bah, ou des, en fait, qualité dans l'entertainment, dans ça que la pour frire, pour le divertir, pour l'amuser. C'est Jazz Enterprise. Nous voulons vraiment prendre temps pour nous saluer, et bien, staff Jazz Enterprise, non, CEO Jazz Enterprise, non, qui, jusqu'à présent, après toute année, ça y est, montré à la hauteur de ça que nous-mêmes, et Méloman averti, Méloman haïtien qui compte Goubouche nous, qui même j'en ont allé dans un show américain. Pourquoi ça me dit américain? Parce que nous ici aux États-Unis, c'est sûr. Nous devons aller dans Broadway show, ben un gros spectacle, gros vedette américain. Yo. Avec Jazz Enterprise, dans le niveau que nous sommes capables, yo offrir une production audiovisuelle, une production, son plateau musical, vraiment qui vaut la peine. Jazz Enterprise, nous saluons pour ça. Et puis voici donc l'affiche. Son affiche marquée date, je suppose qu'on connaît parce qu'il est vraiment tout de côté. Nous déjà qu'on est qui s'allier, deux belles jazz, deux belles d'Acadie, deux belles formations musicales qui pourraient faire nous revivre le bon vieux temps, c'est la fête des retrouvailles, et puis qu'à célébrer deux anniversaires. Vraiment, chiffre ça belle, et il y a deux monde qui déjà à Paris, puis à jouer boule bolette, ça va, oui, messieurs, dames. Voici l'invitation encore une fois. Magnum Band, dès leur premier balbutiement, on avait noté que yo sonné, yo l'autre chant. Magnum Band, c'était et c'est encore la seule différence sur la scène musicale qu'on parle. 46 ans plus tard, ça n'a pas changé. Magnum Band avec Tico et Dadou Pasquette, toujours sonné bien. Musique, musique, c'est comme une école qu'on parle.
Nos musiciens, parmi les plus talentueux, ont fait leur meilleure classe au sein de Musique Musique, sous la direction du maestro Fabrice Rouzier. 36 ans plus tard, Musique Musique est classé parmi les plus beaux patrimoines de la musique compa. Avec en mémoire le projet Haïti Troubadou. 46-36, Magnum Band, Musique Musique, réunis pour la première fois sur une même scène aux États-Unis d'Amérique par Jazz Enterprise pour un anniversary celebration ce samedi 25 juin. Rendez-vous Melrose Bellroom, 3608, 33e suite, Long Island City. 46-36, allô bel chiffre papa. Et vive les retrouvailles avec Magnum Band, Musique Musique et nous les haïtiens de cette génération 80-90 qui aiment le bon compas. Invité spécial, Eussud Fonkap, avec Karel Pedre comme présentateur et l'intermède assuré par DJ Joubert. Door open at 10, showtime at 11. Soyez à l'heure, s'il vous plaît. Nous connaissons depuis cette Jazz Enterprise qui a fait un événement. C'est toujours de la grande classe. Tout bagaille on time. Informations et réservations 347 203 2020 646 302 29 26. Voilà, messieurs. C'est boule bolette, oui, mais on est pour les gens qui jouent une bolette, 46-36. Oui. Je connais les gens qui peuvent jouer le numéro. Moi qui joue, mais 46-36, it sounds good. Non, non, son boule bolette. Mais son boule bolette qui vient de sortir premier lot pour musique haïtienne, nan, m'gadi. C'est premier lot qu'on a fait là dans New York pour la première fois. Jazz Enterprise a fait lui-même ensemble avec tout HMI. Il a fait un gros lot là dans la cour New York. Pour moi, son gros lot. Parce que musique, musique. Et Magnum Band, son gros cause. Fabrice, ou ensemble avec nous. Et on fait comme ça dans la cour New York, d'après le partager même plateau, même stage avec Magnum Band. Ça veut dire pour nous, surtout que musique, musique, ça fait quand même quelques temps nous parlons dans New York. Ça fait exactement 16 ans que musique, musique parle de New York. Et je suis capable de dire que vraiment, c'est partager une scène avec Iwon. Parce que je crois que dans fanatique Magnum Band, je crois qu'on apprend toute musique, musique en son entier. Et musique, musique en son entier, vraiment, c'est des fanatiques invités de l'orchestre mythique, ça, qui est le Magnum Band. Donc, c'est pour vraiment, c'est pas pour une soirée ordinaire, c'est une soirée côté que nous pourrons vraiment célébrer rencontre deux groupes, ça. C'est pas la première fois que nous faisons, mais nous capable de jouer, c'est toujours un plaisir. Et faire New York dans un club aussi prestigieux que Melrose Ballroom, c'est vraiment un avantage incroyable. Et tout bagaille réunit pour que son soirée merveilleuse. Je suis capable de dire que tout le bagage vraiment mis sous pied. Nous, même, nous avons répété déjà depuis 3 semaines, Magnum Bentou. Et nous, tout le bagage au peigne fin. Et en plus, et son label de qualité qui a présenté soirée ça. Et je me dis, on doit parler de Jazz Entertainment. Ou pas même besoin de mettre ton doute sur la qualité soirée. Okay? Pour, enfin, je vais juste parler de la nuit des jeunes qui vient un standard. Un événement qui fait pour musique haïtienne. Non? Mais en même temps, pour prendre deux formations comme ça, vous mettez sur le même plateau, ça m'a donné un pile travail pour coordonner. Mais en même temps, ça m'a donné une vision. Tout. Et une vision pour qui ça que Entertainment l'a supposé. Et moi, je crois que mon New York a une pile chance. Il y a une pile chance que bon événement comme ça qui est capable de faire. Et la caille. Et en même temps, il faut comprendre que ce n'est pas un événement qui fait chaque jour. Donc vraiment, c'est un avantage. Et les gens qui sont fanatiques comparent, quoi que ce soit une opportunité que l'on a pour eux. Pour que vraiment, c'est one night only. C'est bon événement pour être fait. Et qui a une opportunité pour l'y refaire. Encore, on a bien aimé que l'y refaire. Même garantie que l'effort qu'ils mettent pour faire une soirée comme ça, vraiment, c'est un bagage qui m'a des visions, qui m'a des coordinations. Et qui m'a dit un pile, même générosité, m'a capable de générosité de Jazz Entertainment pour le public new-yorkais. À tout. Et nous-mêmes, et particulièrement, nous extrêmement honorés et nous chauffer à blanc pour soirée ça. Parce que vraiment, c'est. Bon, moi-même, Abdou, nous sommes un groupe qui est basé en Haïti. Nous comptons comme un en Haïti déjà depuis bientôt 2 ou 3 ans. Et vraiment, c'est une opportunité. En plus, pour nous jouer devant le public, mais pour nous jouer devant le public avec un groupe préféré, nous,
et yon nan groupe qui marqué musique haïtienne nan, avec au faire chaud parce que pas gen menti Magnum c'est une grosse pointure et qui vraiment fait en 46 ans pour moi même bon il pas fait 46 ans il fait 92 ans il a fait bah, musique haïtienne nan, tellement monsieur ça bah, individuellement donc partage en scène avec monsieur Sao bon c'est waouh pas même capable d'expliquer qui honneur que ça y est. Voilà. OK. Évidemment, c'est un honneur pour vous, c'est un honneur pour l'autre musicien jazzin à côté de Magnum Ben. Et nous-mêmes, nous avons 36 ans, nous avons toujours 46 ans, c'est quand même, c'est pas 46 jours, ça vaut son pesant d'or. Qui sa musique a préparé pour soirée ça? Monsieur, c'est certain qu'on même Fabrice Cousier et certainement musique, nous pas dans la logique ça. Mais juste pour le public hein, qui soif, ouais, musique, puisque pas ouais, nous sommes là pendant 16 ans, et nous prenons à côté Magnum Ben. Donc, pour quelqu'un deux peut-être, bon, pas vous dire deux. De public, c'est peut-être le même public, nous partager le même public là, dans le sens d'âge et pourquoi pas de, oui. D'intérêt, de mélomane. Mais quand même, abgé fanatique Magnum Ben, abgé fanatique musique yo. Pour fanatique, bon, même je dis pour fanatique musique yo. Pour fanatique Magnum Ben yo, qui ça nous va le préparer pour nous peut-être et montrer que nous vaut la peine de camper sous stage ça avec Magnum Ben. Moi, je comprends que c'est fanatique musique yo en même temps c'est des fanatiques Magnum Ben. Maintenant fanatique Magnum Ben yo mbrajou, okay. Majorité musicien musique yo c'est des musiciens qui quand même et ou les boss yo alentour de Magnum Ben. Donc nous connaît qui ça que y a pas tant yo et nous capable dire que nous-mêmes nous mettons nous sous meilleur registre nous et me crois que bon bral don bagay va arriver. C'est vraiment c'est un bagay unique qui bral fait tellement. Et c'est la première fois moi dans l'histoire de balle nous pas live je ça pour nous capable dit ça c'est pour ça par exemple on t'a dit que soirée va commencer à l'heure et qu'on encourager tout le monde venir à l'heure on va l'expliquer pour qui ça c'est la première fois dans l'histoire balle que de mémoire récente que au lieu que jazz a boumé pour qui est-ce qui va jouer en deuxième tous les deux jazz a boumé pour qui est-ce qui va jouer en premier est-ce qu'on imagine ça me OK c'est pas une blague c'est bon et c'est un bail très très sérieux ça veut dire que nous vraiment voulons et tous les deux groupes yo entiché pour yo bail le maximum ça veut dire au monde qui vient retard dans soirée ça désolé mais on perd un pile bagage OK parce que groupe yo et bral jou groupe yo nous habitué jouer ensemble déjà format pas différent on va pas attendre des tests un test deux tests trois ou quoi que ce soit et transition entre groupe yo c'est pour une transition qui pourrait être presque seamless. OK, ça veut dire que c'est pas un groupe qui va jouer contre un groupe, c'est deux groupes qui va jouer ensemble pour faire une fête inoubliable. Donc c'est ça qui est particulier dans musique avec Magnum Ben, c'est deux groupes déjà qui respectent tête yo, mais en même temps capable de côté par nous-mêmes n'obliger sous meilleur comportement nous choisir meilleur répertoire là. Et il y a des surprises même dans le répertoire là, je ne vais pas dire ça, oui, bien entendu. Mais il y a des nouveautés. Bon, je ne vais pas dire ça que vous avez, Valérie. Même quoi que les gens qui vont venir, vous comptez depuis Wallon, vous jouez pour une musique, vous dites, bon, ok, je vais jouer comme moi. Et même, j'ai l'impression depuis un soundcheck, là, vous avez dit, bon, plutôt me toucher ça parce que, bon, voilà, c'est du lourd. C'est de la grosse marchandise, et c'est que c'est ça que nous allons joindre. Et vraiment, Mabdjou, bon, bon, l'autre détail encore. Et musique après l'avion, faites la pour samedi, musique sera à New York jeudi. Donc, nous ne pouvons pas risquer rien. Ça, c'est bien. Ça veut dire que c'est pour me dire que vraiment, nous quimbons ça à cœur. Et vraiment, c'est une opportunité. Encore une fois, je vous remercie, Vince et Jazz Enterprise, parce que vraiment, c'est un travail de visionnaire et nous vraiment nous gagnons pile gratitude pour ça et nous couper nos bien bas pour nous y merci. Tout à fait. Gary, c'est sûr qu'on a dans là et Gary lui-même ou par contre au bras. Alors évidemment par contre vous mettez quoi parce que Magnum Ben c'est jazzo, musique c'est jazzo tout là. Ouais. 36 ans 40, ouais. 46 ans qu'a fêté la Gary. Ouais, un pile souvenir depuis en Haïti et m'pas jamais oublié et puis bel exploit et Fabrice a songé ça moi-même nous même avec Magnum Ben et nous c'est première fois et on jazz t'es campé sur stage pour te faire publicité à l'époque nous t'es dans télévision nationale
et c'était pour collaborer. Et c'est le montré ici, nous venons web Pepsi Cola pour ne pas faire publicité pour lui. Et à faire publicité avec Michael Jackson. Mais McDonald's Ben te fait ça en Haïti pour la première fois. C'était un pays avec Rinald Delem, moi-même, et nous faisons gros bagages dans la plage, etc. pour nous faire production ça. C'est ça qui fait jazz ça, il était dans moi-même. Son jazz qui était dans moi-même, quel que soit côté là joué, quel que soit musique qui met dehors, nous pas capable d'attendre. Fabrice, qu'est-ce que ça pour me dire encore de musique, musique? Quel que soit le Fabrice et équipe musique, musique là, venir ensemble avec Troubadou, je ne sais pas continuer encore, Fabrice, c'est ça seul. Vous posez ton mouvement Haïti, finalement. C'est ça seul, nous avons pour que ça, plusieurs autres musiques pas continuer en tirer Troubadou ça. Bon, Gary, je pense que, écoute, Troubadou a là bien longtemps avant qu'on parle. Et nous faisons une expérience qui marche. Même penser que pour avoir une autre expérience qui va venir. Et il y a des jeunes, jeunes musiciens qui déjà fait des expériences. Il y a des groupes, par exemple, moi-même, je cite un groupe, je ne fais pas de réclame pour eux, mais c'est un groupe préféré qui fait Troubadou. Il y a une formation qui est basée à Miami qui est arrosée Troubadou. Et arrosée Troubadou, okay. Ils font live même pendant Covid là. Et c'est une merveille. Et il y a un paquet de jeunes musiciens tout, qui a gardé Jean là. Mais si vous vraiment voulez entendre une bonne musique tout bas, je crois que. Dans 46-36, ça va jouer. Dimanche. Donc, voilà. Ça fait plaisir. Samedi 25. Oui. Samedi 25. Et Wap Jouen. Sérieusement. Map là. Donc, répertoire là, bien. Une couleur troubadou tout parce que font du son rythme et permet de faire parenthèse ça bien vite c'est sous ça me devait venir tout l'aime t'as fait commencement show m'a commencé dit évidemment bonne fête n'est du bonne fête Fabrice n'est dit qu'on son papa tout pour musique haïtienne quand même Fabrice ou était quand même bon ou même avec l'autre collaborateur yo l'autre musicien qui travaille ensemble avec vous c'est ton mouvement quand même mouvement troubadou font tirer sous un petit peu parce que pour moi c'est un gros phénomène qui t'est passé dans musique haïtienne là c'est les premiers fois un mouvement et de cette envergure qui traversait tout et public et qui rivait côté de rivière là. Et puis, bon là maintenant c'est la question, tout d'un coup c'est ça Garita Mandola, boum, nous campons messieurs. Mais quand même, je sois ça, nous avons gonflé tout badou quand même dans la soirée. Moi je crois que nous bien, mais il faut que je dise que, bon, écoute, tout badou il peut être mouru dans l'échelle ça, mais la musique tout badou n'a pas jamais mouru. Et on y réfléchit que la première musique qui a accueilli l'arrivée à l'aéroport au Prince, c'est la musique Troubadou. Première fois, enfin, l'un n'est pas capable de retourner dans la plage. L'un n'est pas capable de retourner dans la plage, mais sûr que la première musique qui peut l'accueillir nous, c'est la musique Troubadou. Même pour le jour, curieusement, la musique Troubadou, c'est musique, c'est un set qu'on va dire avec l'accueil. Et on va le faire historique pour. Et comment est-ce que la musique Troubadou, et pour qui ça que le populaire comme ça? Et la musique Troubadou, en fait, c'est une musique qui passait. Qui prend naissance époque que t'as fait Zafra c'est coupé quand époque que t'as fait Zafra dans le début on dit 20e siècle là et monde qui t'a coupé quand yo c'est yo t'es sorti Jacques Mel et yo pas allé Saint-Domingue yo t'es allé Cuba et là yo t'es allé Cuba et y allé avec tout Jevrigno y allé avec Culturio etc et là où il vit Cuba. Il y a une musique cubaine qui a un clavier. Le clavier, c'est cop, 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 qui a un cha-cha. Et qui a une petite guitare qui est lettrée. Il y a même, sous musique, ça, qui existe à Cuba, il y a chanté musique par eux, il y a chanté musique traditionnelle par eux. Et là, il y a retourné, les affaires finies, il y a retourné Jacques Mel, il y a retourné avec, on nous dit, ça que joue une Cuba. Donc, c'est comme ça qu'on vient jouer un mélange de rythme. Et c'est pour ça que musique Troubadou, la Kainoua, tellement semblé. Et basique musique cubaine, et c'est ça qui fait que le gain succès que le gain. Bien entendu, nous-mêmes, nous mettons créolité nous la donne, nous mettons éléments par nous la donne. Ouais. Donc, c'est pour ça que nous avons musique troubadou qui identitaire, qui gagne identité la caille noire Haïti. Et moi, je pense que musique, ça a transcendé le temps et il passé de, on nous dit, des années 1800 jusqu'aux années 2020. Donc, c'est bon musique qui en joue, je crois que c'est héritage musique là, quand même. Et c'est lui-même qui va le bao dans le futur, combat direct. On y regarde, avant même que Nemo t'ait fait combat direct, M. Teguin, un groupe qui était le Calbas.
attendez au calbas pour voir après que c'est tout balu et t'as joué. Avant que t'aies gagné l'ensemble sélect de coupe pour eux, t'aies gagné le trio sélect. Et là, attendez le trio sélect, ma part le premier album, yo, même j'en plein caille, c'est musique tout balu que t'as joué. Il se trouve que n'a pas mis plus gros artistes que nous gagnons dans le pays, ça, c'est des musiciens troubadours qui commençaient même dans la rue. Je ne vais pas citer Tiparis parce qu'il dit ça trop clair, mais on est même avec Audrey Millien, père à son âme. Et on prend par exemple, il y en a plus fameux homme qu'est-ce qui vient dans le pays, qui c'est Joe Jack, que nous avons salué bien bas. C'est un premier troubadour et tant d'autres, et Claudette Etipierre, Altieri Dorival, et les sept vedettes, etc. Donc en fait, pour qui ça m'a dit ça, c'est que nous-mêmes, nous n'avons pas inventé rien. Et nous juste reprendre, si vous voulez, une tradition qui existait déjà. Nous peut-être mettons un petit nouveauté là-dedans, mais moi-même, je voulais me persuader que la musique troubadour est capable de mener l'identité culturelle haïtienne beaucoup plus loin que l'aller avec même copain direct là. Wow. Ouais. Bien dit. Merci en pile Fabrice parce que vous faites si coup histoire ça ensemble avec nous. Nous remercions en pile et auditoire vraiment apprécié le tout. Nous te en pile que tu as monté pendant t'as parlé. Je pense que l'important pour nous informer mon tout. Et c'est ça que les invités couverts de Calibou m'aimer les offres sur plateau Téléimageo. Une fois qu'il était sous troubadour toujours, une fois qu'il entre dans instrument, ça que nous pas trop long parce que nous gagne musique devant nous là pour parler de lui, mais l'intéressant pour nous comprendre. Et vous parlez de faire que vous frappez, l'intéressant tout que n'a regardé des instruments très. Dis-moi, qu'est-ce que ça dit? C'est un morceau bois, c'est un morceau bois que il est clavé. Il fait top, 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 top. Oh, yeah. Ok, et ma petite Paris, c'est même fait là avec gauche. Je te fais. Vous comprenez? Donc, je suis pas bien fait, donc je t'ai imité là avec bouche. Et autre instrument qui est les. Non seulement qui est les manibula, mais qui est les manouba. Là, quand nous, il est les manibula. Manouba, c'est ça, je vais vous parler de manouba. Et manouba. Ça, c'est Saoshita Soulia. Voilà, qui fait avec bon, il fait là avec ressort et bout de ressort machine et il était là avec un morceau caoutchouc, mais lui-même c'est soulevé, c'est un basse que la BC imiter. OK, il pas gain des notes bien définies, mais il voulait imiter basse là. Et puis gain un cha-cha et puis gain un tambour. Différence qui gain dans troubadour qui la caille nous, c'est que tambour marche différemment. Que tambour qui marchait dans rumba, ça veut dire pas nous, c'est là qu'on vient jouer un tambour qui marchait puis dibi dibi pa pum pa pa dibi dibi, tandis que dans l'autre pays yo marchait différemment, ça veut dire que merengue a marché différemment, rumba a marché différemment, okay. Etc. Mais en essence c'est même musique là. Et guitare c'est une guitare cubaine qui est lettrée, mais nous-mêmes nous pas de moyen pour nous déjoindre, donc monsieur fait guitare avec boîte l'huile. Bah, ça, et puis même Col Bécan. Donc, nous venons un bon jour pour la suite. Mais en fait, c'est même composant. Yo. Et c'est pour ça que musique troubadour est attrayant. Et Mounio, ça veut dire, même au monde qui ne parle pas le créole, il vient comprendre la musique là parce que il tendait la Kaili tout. Enfin, on va rien de musique là, la Kaili. Donc, en fait, c'est ça l'instrument. Nous-mêmes, ça que nous t'ai fait pour nous t'imiter. Alors nous te voulons faire une adaptation de musique là. Au lieu que nous te mettons manouba, nous te mettons gros basse, même genre avec basse qui dans hip hop, qui dans rap yo, que jeune yo te remet en pile. Qui va te finir toi remet ça. Parce que ces gens de basse là dans nos machines à passer à côté dans New York et puis basse à souquer tout en dedans. Et mais c'était une façon de écouter des couleurs nouvelles là dedans. Nous te kembe tchatcha, nous kembe tambour. Et en plus de tout, ça qui est intéressant dans la forme Haïti Troubadour, c'est que nous n'avons pas gagné une limite d'âge. Ça veut dire qu'à l'époque où tu as par exemple Mika Benjamin, qui peut être carrière à l'époque, qui a 15 ans, qui t'a partagé scène non seulement avec Papa, mais avec José Tavernier, qui est une plus grosse star musique haïtienne des années 60 avec le groupe Ibo Combo. Donc là, on a une variante de monde comme ça. Et tu as des gens qui n'ont pas gagné rien pour avec Troubadour, mais c'est ça que je pense. Et par exemple, tu as des artistes, même genre Don Kato, qui n'ont pas fait musique compa ou bien qui n'ont pas fait, qui t'a fait reggae. Tu as des artistes, même genre avec Black Alex, qui t'a fait raga. Et tu as même des rappeurs, même genre avec Arbis. Sans compter tout un pléiade de plus grands musiciens haïtiens qui t'a gagné à l'époque. Donc vraiment, et concert que nous t'ai fait, par exemple, en Haïti, pour les 75 ans là comme il faut, c'est un concert qui t'est réuni pas moins de 40 chanteurs donc sous scène. Donc c'est débat immémorable, mais c'est débat des gens que nous voyons normalement de nous qui ne savent pas qu'en faire encore. Et réponse est très claire, ça veut dire que c'est très très difficile pour coordonner présence 40 chanteurs. Imagine au bout d'après 40 n'a plus beau chanteur en Haïti semaine ça pour mettre ensemble son scène.
D'abord, en Haïti, il est impossible pour des raisons que nous connaissons. Mais même un petit peu partout à travers le monde, c'est des bagages extrêmement difficiles pour faire. Mais, nous avons des projets. Et alors, Gary, tu as demandé côté projet tout bas. Le projet là, il y a un hard drive. Et forme du prochain projet que nous avons pour Haïti tout bas, c'est un projet qui t'a regroupé femmes seulement. Et avec les plus belles talents que nous avons. Intéressant. Bien entendu. Moi j'ai une chance que moi j'étais directeur musical pour les productions Yol des Roses et nous fait plusieurs représentations, mais une là d'ailleurs, une qui relait Haïti cœur de femme et à travers Haïti cœur de femme moi vinn zanmi avec on nous dit majorité star de la musique haïtienne qui gagne aujourd'hui. Et m'a parlé de Michel Guillaume, m'a parlé de Tamara Suffren, m'a parlé de Annie Allert, m'a parlé de Montjean, de René Désir. Beijing. Et tout le monde, voilà, non, bon, Beijing, malheureusement, peut-être trop jeune, peut-être à l'époque, beaucoup j'aime rencontrer Beijing, mais c'est, mais Mabdou, dans le groupe, okay. Mesdames, ça y est, t'es gagné tout le monde, ça y est, et ça t'est vraiment, mettez-moi la puce à l'oreille pour m'être fait un projet comme ça. Parce que le problème qui vient dans la musique, nous, en tout, et c'est une bagaille que nous sommes capables de corriger, et je pense que mesdames, ils ont corrigé le par eux-mêmes, tout. C'est que, ouais, qu'on va dire que la compagnie a son musique excellente, mais son musique complètement misogyne. Misogyne, ça veut dire, une femme pas supposée monter sous stage. Nous croyons qu'il y a des pionniers qui font lui, par exemple, le groupe Zin, t'es fait admirablement bien. Mais qu'il y a mesdames, ils prennent. Avec, pour eux, qu'on prend même Jabé Gina Cadillac, qu'on prend Richel, qu'on prend Darlene Desca, qu'on prend Fatima. Bon, tellement bien, qu'on prend Vanessa Désiré, qui fait tout son album. Et vraiment, c'est un bail merveilleux que Koulia, au lieu que son bande de garçons campé dans le fer noir et qui campé son stage, ou un bel monde qui campé devant et qui a chanté bien. Donc, je pense que Compadre depuis 60 ans, et je pense que mesdames ont corrigé ça pour musique haïtienne. Même j'ai avec mesdames risquées. Oui, absolument. Oui, c'est ton autre mouvement. C'est ton autre mouvement, là, définitivement. Ma retenu une déclaration qu'on fait là qui est intéressante. Ou admettre que Compas Direct là, c'est un business misogyne. C'est-à-dire que messieurs, non seulement ils devant de la scène, mais ils contrôlent les business. Hein. C'est eux contrôlent les business là. Et je dis à nous, et messieurs, c'est dans le passé maintenant. Si nous, mesdames, ils ont connu là. Mesdames, ils ont changé. C'est un programme qui parle de Richel, qui parle de Beijing, qui parle de Darlene Desca, ou pas un programme. Non, non, là. Vous comprenez donc. C'est une heureuse nouvelle. C'est une heureuse nouvelle. Bonjour Fabrice. Pour me faire l'avocat du diable, ok. Nous connaissons dans le compas. Monsieur très jaloux. C'est-à-dire, a fait compas direct Dieu, là, bon compas, c'est eux-mêmes qui gagnent. Vous pensez que vraiment, on a besoin. Bon, Gary vraiment fait une parenthèse qui est importante. Risqué était quand même essayé. Et ça n'a pas fait long feu, mais quand solide. Même. Je veux dire, compas direct à la formule classe, à la formule new look, à la formule l'audia, surtout, nous passer prendre et Tropicana septembre. Vous pensez que nous avons des femmes dans la musique qui ont fait le même genre, c'est-à-dire qui ont nous pas dur ça? Absolument, ils ont fait peut-être mieux que les garçons. Et je vais citer des noms. Et il ne faut pas oublier que tant changé tout, ça veut dire que ça qui n'est pas acceptable à un certain moment, c'est inacceptable. En nous clair, époque longtemps, il y a des BDS qui ont fait, et bien avant risqué. Et je vais citer une des plus grandes, et au monde qui font carrière extraordinaire. On a parlé de Mme Yannick Etienne, qui a fait un exemple, qui était l'élite orchestra avec Marie-Lie et Dan Semil, que nous n'avons pas besoin de présenter, qui sont icônes de musique noire. Et gagné tout. Plusieurs monde qui essayaient tout. En Haïti, tu as gagné Sylvida, qui t'a essayé bien avant que tu aies mon risque ou quoi que ce soit. Et puis, bien entendu, ça qui est plus mémorable là, c'était le groupe Zin, qui t'a metté des mesdames, qui t'a chanté mesdames, mais peut-être pas dans le lit tout le temps. Mais Alex Abela, tu as gagné vision ça. Et je t'ai compris que fuck business sans une fille pour que le marché, pour la le devant de la scène. Vous comprenez? Bien entendu, l'autre met ton dame dans un groupe compas. Il n'est campé devant, il joue de tous les noms. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. C'est le mot. Ça veut dire que Koulia, ouais. Mesdames, d'ailleurs, les présentations que vous faites, une série de progrès qui fait dans la musique haïtienne. Hein. Et de par mesdames, ça veut dire que mesdames, pas monter n'importe qui gens. Vous regardez les présentations que Richel offrit, que Beijing Cadillac offrit, que Darlene Desca offrit, et tout ça pendant Covid là, vous regardez que son bail est d'un autre calibre. Donc c'est pas 12-15 des garçons campés sous scène non fait noir,
gen danse, gen tout une série de bagay ki fou chaud kon ap gade. Voilà. Donc oui, gen chorégraphie, en clair monsieur. C'est de bon aloi. Gen sex appeal tout. Voilà. Oui, tout ça. Oui. Eh ben, avec nous pas déplacer pour que Messi vienne avec. Ne pas déplacer pour que Messi gagne. Déplacer pour que Ouais, parce que dès la jour arrivé, on capable voulait monter sous stade sous piste là pour aller danser, mais on ka gade. Ouais. Non, mais moi je alors n'a fait une transition rapide là, mais m'a dit gagne y a une forme de monde suspend danser depuis très longtemps, tout ça veut dire que l'oral non sensation musique. Ouais, tout le monde campé. Même garanti par exemple que soirée qu'on pourrait le samedi prochain. Hein, et c'est une soirée où nous allons inviter tout le monde à la danse. Ça veut dire que vraiment, venez sous meilleur oui. Et tirer à quatre épingles, vous comprenez? Et puis, venez à madame, ouais. Venez à ménage. Et puis, campé devant Diaz, danser. Oui, c'est pas levé maintenant, les pas le fait là. Vraiment, c'est pour une soirée ouais. Classique. Et pour avoir des performances mémorables. Moi, sûr de ça. Moi, certain de ça. Ouais. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, oui. D'ailleurs, l'affiche le dit. Ah, c'est ça, nous voulons. Et pour nous capables, peut-être, même rassurer Mounio qui peut-être. Monsieur, c'est certain que vous comprenez, oui. On essaie de rappeler l'affiche là. Et puis rassurer le sort de là. C'est un autre type de spectacle, on nous dit. Et bravo encore une fois à Jazz Enterprise. On l'autre formule. A fait camper Gadea. Oui, Kagan et tout. Mais là, nous parlons danser des trucs que nous avons. Téléphone, non, Oui, qui est tellement entré dans nous. Que mon Dieu et Magnum Menu Jury avec musique. On rappelle qui ça lié encore une fois. C'est samedi prochain. Magnum Band, dès leur premier balbutiement, on avait noté que yo sonnait yon l'autre chant. Magnum Band, c'était et c'est encore la seule différence sur la scène musicale compas. 46 ans plus tard, ça n'a pas changé. Magnum Band avec Tico et Dadou Pasquette, toujours sonnait bien. Musique, c'est comme une école compas. Nos musiciens, parmi les plus talentueux, ont fait leur meilleure classe au sein de Musique, sous la direction du maestro Fabrice Rouzier. 36 ans plus tard, Musique est classé parmi les plus beaux patrimoines de la musique compas. Avec en mémoire, le projet Haïti Troubadou. 46-36, Magnum Band, musique, réunis pour la première fois sur une même scène aux États-Unis d'Amérique par Jazz Enterprise pour un anniversary celebration ce samedi 25 juin. Rendez-vous Melrose Bellroom, 3608, 33e suite, Long Island City. 46-36, allons bel chiffre papa. Et vive les retrouvailles avec Magnum Band, musique et nous les haïtiens de cette génération 80-90 qui aiment le bon compas. Invité spécial, E-Sud Fond Cap avec Karel Pedre comme présentateur et l'intermède assuré par DJ Joubert. Door open at 10, showtime at 11. Soyez à l'heure, s'il vous plaît. Nous connaissons depuis cette Jazz Enterprise qui a fait un événement. C'est toujours de la grande classe. Tout bagaille on time. Informations et réservations 347 203 2020 646 302 29 26. Avec nous encore une fois, Fabrice Rouzier, qui même a parlé de la soirée ça. Fabrice, m'appelez message ça. José Hector. C'est exactement ça que je pense que nous sommes là. Nous ne pouvons pas souligner, nous m'appelons pour vous pour qu'il peut-être font une réaction. Okay. José Hector, bye mon tête, yon maestro, côté mesdames, yon capable de marcher bon gens qui ont pas classe là avec New Look. Ou est-ce que ça? Ah. Bon, avec tout respect que je vous dis, classe qui a fait un mouvement rapide. Voilà. Et classe qui a un cas de Louis Pierre qui fait partie du groupe. Là. Et je me garantis que Richison a fait un peu de vision. Monsieur Pral Ballon a un rôle beaucoup plus beau éminent. Et bien entendu, je regarde les sous stage, non seulement son bel monde, mais il condensait, mais il dansait sans que il n'y pas.
indécente, ok? Indécente. Donc, il y a une classe, encore plus de classe, d'après moi. Et donc, c'est bravo à Maestro Ricci, bravo à toute équipe classe, et bravo à Cadet Louis Pierre, parce que c'est vision, ça. Donc, sous papa Repouelli, you got another thing coming, man. Donc, rangez quoi, parce que c'est bien ça, venant de Maestro. Là, pas avancé. Fabrice Moussier, ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais. Oui, gars. Mesdames, prêchez-vous. Ouais, c'est pour mesdames, vous continuez prêchez-vous. Non, pas qu'à supporter ça seulement. Et si un gros musicien tant que Fabrice Souzier dit ou lui, c'est que les devant l'abgadil. Et nous t'a souhaité que M. Hector t'a fait ça tout. Gardez vidéo, gardez comment mesdames yo devant Diaz yo n'en compare à performer. Tout à fait. C'est pas lui seulement qui a pris à agir dans ce sens. C'est un autre mouvement qui a fait ça. C'est un autre mouvement. Et on monte, c'est un autre mouvement. Mouvement, Fabrice. Oui. Et non, Valérie problème. Michelson lui-même tout qui dit que, ouais, que c'est ça métier. Alors, l'industrie, ça très misogyne. C'est misogynique. Maintenant, on fait une parenthèse sur ça. Sans que je ne me mette sur une chaise chaude, si je n'ai pas intention ça, ou même ou pas de problème. Pas de problème, ça. Est-ce que, tout à fait, est-ce que vous y a là, qui différence, qui distingue au café dans mesdames, yo? Gagner une formule, moi, qui apparemment, moi, je dis apparemment, bon, bah, on critique de musique. Mais quand même, influenceurs qui, pour raison, ils pensent qu'ils ont rentré dans la musique. Ce n'est pas forcément qu'ils ont talent, hein, je me permets de le dire. Mais ils ont entré dans l'industrie avec une force, puisqu'ils ont influence sur les réseaux sociaux. Ils ont fait justement ça, ou même Agaï nous a parlé de lien. Ils ont fait packaging, là, c'est-à-dire, ils ont fait quoi, c'est-à-dire, ils ont offert aux sorts besoin pour eux, depuis comme Eye Candies. Ils ont entré dans l'industrie, ils ont arrivé à imposer. Et c'est moi qui ajoute cette partie, ça est moi qui ajoute, sans que forcément ils ont un talent. C'est un mouvement sans penser de qui j'ont regardé, qui j'ont observé nous-mêmes, Fabrice. Qui soit pensé de ça? Bon, moi pense que, écoute, il y a une place pour toute bagaille. Il n'y pas existé seulement dans la musique haïtienne, il existe dans tout milieu. Mais la réalité, c'est qui ça? La réalité, c'est que les gens qui ont talent et les gens qui ont persévérance, parce que talent sans persévérance, ça ne veut dire rien. Et la raison qui fait que les gens, c'est eux-mêmes qui paraissent. C'est que vous n'avez pas quelque chose à offrir. Ou même vous avez acheté ou vous pas acheté. Ça veut dire que si vous avez allé pour garder, et puis c'est ou pas obtenir rien, mais il faut que vous gardez pour obtenir. Si vous avez chaud, ok, et vous avez l'autre côté, vous faites chaud ça. Excusez-moi, vous avez un club, et puis vous payez $2, vous dansez pour vous, vous montez pour tout pour vous, etc. Mais et si c'est musique, vous allez pour obtenir, vous gardez un bel monde qui fait chaud. Ça sont l'autre bagaille. Vous comprenez? Là, on a parlé de musique comparée directe. On n'a pas parlé de rien qui est indécent ou quoi que ce soit. Mais moi-même, je ne suis pas là pour me juger talent ou monde tout. Ok? Et je ne suis pas là pour me juger qui ça qu'on peut faire pour paraître. Ça veut dire, si vous mettez tête tout nu pour qu'on paraître, c'est clair qu'on gomba et qu'on manque. Ça veut dire que si c'est musique ou qu'on parle pour musique ou bien si c'est danse ou qu'on danse pour danser de façon admirable qu'on paraît, oui, il n'y a pas de problème avec ça, non? Mais si c'est mettre vous mettez de corps tout nu ou bien ou une série de thèmes qu'on va chanter, etc., c'est seul bagaille. Écoute, nous, on voit ça dans la musique là déjà tout. Il y a des gens qui font des succès extraordinaires, même dans le combat direct là. Et on a dit des inepties ou bien pour paraître déjà. Vous comprenez? Il y a des carrières qui sont assez longues, oui. Mais on apprend exactement ça pour faire comme choix. Vous comprenez, ça veut dire que si c'est ça, ou bral dans sa courant, mais si ou même ou aimez bon bagaille, des bagailles qui bien présentés, des bagailles qui sains, des bagailles qui fait sens. Et c'est ça qu'on peut choisir. Gain pour tout, oui. Ouais. Ça veut dire que l'or dans le marché, ou bien doit acheter steak, même si on doit acheter marinade à cresson. Viande cochon. Donc, voilà. Il m'a pas dit ça, un cochon, ça dit. Mais il y a pour tout le monde. Vous comprenez? Et compatir avec la gagne pour tout le monde. Oui. Même capable de gagner des bagailles qui transcendent le temps. Et vous prenez un groupe, même j'ai un magnum, même Dieu seul sait combien de groupes qui fait en 1976 et gagne en pile. Okay? Mais un groupe, même j'ai un magnum, ben, était universel. Ça veut dire. Que moi, les jeunes n'ont pas trop fort pour un groupe, même genre avec Magnum Ben, son groupe légendaire relié pour qui ça? Parce que l'on obtient de la foi ou bien l'on obtient de l'expérience qui est enregistrée en 1976, et on a l'impression que l'on est enregistré en même 2022. Ok, si on dit qu'on fait lever, puis là, on fait pas direct, ou fait le temps d'adoration, ou fait le temps de zouké, ou fait le temps de pakapala, là, on dit waouh! Et il y a des musiques sans savoir, il y a que l'enregistrer. Pour qui ça? Parce que la musique là, elle traverse le temps.
Même garantie, il y a des groupes qui sont en 1976 en Haïti et pas tant de parler de eux. Peut-être tout est en de parler de eux en mai 1976 et puis enfin, en septembre 1976. That's it. Voilà, c'est fini. C'est un feu de paille. Là-bas, il y a un feu de paille. Même moi, je dis présence, mesdames, dans la musique qu'on va dire là. Et moi-même, je pensais que c'est un bagage qui n'est pas seulement belle, non? Mais li extrêmement nécessaire pour avancement genre, ok? Et pour qui ça? Parce que li pas qu'à faire dans tout l'autre genre musical, et puis c'est pas nous, li pas qu'à faire pour qui ça là. Elle dit, c'est nous-mêmes qui plus misogynes que, oui. Que l'autre nation. Prends reggae, il y a une femme là-dedans. Prends salsa, il y a une femme là-dedans. Prends rock and roll, il y a une femme là-dedans. Prends swing, prends jazz, prends polka. Quel que soit genre musical là, il y a une femme qui présente elle. Alors, c'est notre compagnie dire que ça n'y est, un petit problème. Pour le patac à fête. Ouais. Tout à fait. Oui. Ça, à fait qu'on va tous les sous. Ça crée les compagnies de Dieu, là, d'ailleurs. Et moi-même, je suis clair. Et moi-même, je suis Sylvie, là, devant Caribbean Sextet, comme mon leader. Moi, je suis Tania Saint-Val, qui est en duo avec Dadou Patrice. Et je suis chanté un paquet pour. Moi-même, je suis tout. Et plus récemment encore. Vous comprenez après Carole de Mesmin, Carole de Mesmin, t'es con campé devant des gros groupes. L'autre jour, m'a regardé sur internet Daniel Thermidor qui t'a chanté Massiguini avec Septentrional. Ou quoi, c'est belle. Donc, pour qui ça que pas qu'à faire, bien entendu, c'est pas Roger Collard, c'est pas Parisien Fizemé, mais écoute, c'est Daniel Thermidor. Donc, c'est quand même un grand nom de. Avec Voili. Et qui était devant, voilà, qui était devant Orchestre Septentrional. Et j'en passe, nous-mêmes dans la musique, nous avons Béatrice Kebo qui était chanté avec nous. Nous avons Mamina que tout le monde connaît. Et Mamina a fait travailler là correctement. Et je ne sais pas que nous avons joué un combat léger. Nous, là, que Mamina a chanté, c'est qu'on va dire devant, pur et tout. Bon combat. Bon combat. Tout à fait, voilà. Écoute, ou bien. Faut public là comprendre. Oui, pour nous, question que nous avons dans la tête, moi. Ouais. Et musique, pour qui ça, musique, pas aller dans la même famille que ça. Donc, si t'es deux noms là, deux. Non, deux femmes que nous avons dans le jazz à tout. Oui, t'es gagné plusieurs, qui font partie de groupe là. Et même j'ai un Magnum Band. Vous comprenez? Et moi-même, je parle, femme douce, son fanatique qui est privilégié le Magnum Band que mieux. Moi, j'ai plusieurs soirées de Magnum Band. Côté que gagne des fanatiques filles, surtout en Haïti. Et qui vient, par exemple, qui est un musicien, bon, c'est un influenceur que lié, c'est un ami, qui est le Myria Chol, et qui vient de Baïda d'où réplique, et là, il y a 50e anniversaire du combat, déjà, ça fait quelques temps, et dans la musique d'Adou Basket composée, qui est le grand, et son bagage extraordinaire que Baïda a été, tout le monde est frisson dedans. Donc, il est très possible. En fait, le monde a dit oui, Baïda a été très bon, cher. Ma botte et tout, mais l'or elle rivière, elle dit qu'elle Fabrice c'est dit. Non, mais okay. Nous pas bon entendu, non? Salut, José. Faut comprendre. Ouais, nous pas bâillé au tête, faut comprendre. Makedi Pierre, faut suivre. Ouais. Makedi Pierre, il n'est pas capable là. Et Makedi, Fomjo, son monde qui était New York, il déménage depuis quelques années, il est allé dans la zone Californie. Donc c'est une bagarre qui a fait tourner, vina balsa. Parlez-nous de formation musicale. Depuis la tour et tout. Nous connaissons, bon. La priorité Gary. On oui, doit m'a dit qui songeait musique à l'époque, qui songeait ancienne formation musicale là, certainement, avec, bon, batteur qui dit même, on est si la plat avec nous, il est ancien maire de Carrefour, et puis de toi, mon qui pas là. Formation musicale, c'est sûr, on a bien mané au bas devant scène là. Super. Musique, pour aller gagner une série de musiciens, et on a monté avec mon équipe. Même plus musicien que nécessaire. Et je vais l'expliquer. Comme batteur, nous avons deux batteurs. Mais il y a un batteur qui n'est pas avec nous, et un peu monde pas connaît ça, c'est Walt Slane qui n'est pas avec nous, qui est batteur couramment de Jacout Music, mais en vente de batteur musique. Nous avons insisté pour lui venir jouer une soirée avec nous. Et comme Gongis, nous avons malheureusement connu Gongis. Il y a un meilleur Gongis haïtien, qui est dans la musique, monsieur le Choupi Jacquet, malheureusement. Je suis décédé il y a à peu près 2 ans. Et pour remplacer lui, il y a un élève lui, et qui c'est famille musique, qui est le Guino Jospit, qui va avec nous. Et comme tambourineur, nous avons un New Yorker, et pas des moindres, qui va avec nous. C'est M. Rénal Valmé, qui est au bureau des tabous comme vous le Pétionville.
Bon, okay, comme bassiste, nous gagnons un bassiste qui t'a joué avec nous pour une musique qui fait backup pour plusieurs groupes. Tout. Il s'agit de M. Josué Nazaire qui a avec nous. Tout. Et comme claviériste, au jour qui c'est claviériste musique depuis nous commencer avec nous. Comme guitariste, a bien Keke Belizer, bien sûr. Et comme chanteur, a bien Gilbert Ravix, a bien Vardy Farrell et Emmanuel Oba. Et il y a des invités surprises, ouh, mais je vais quitter ça pour faire ça. Pour tout le monde venir pour le carré. Voilà. Si vous pas venir, cher, si vous pas venir, je ne vais pas venir. Voilà. Je ne vais pas venir. Bien, donc, bonsoir à ne pas rater. Moi c'est que internet commence à comprendre, il commence à écouter eux parce que ouais calibre fait qu'après à préparer là pour samedi prochain que Jazz Enterprise a présenté. Merci Jazz Blaise, merci pour ça parce que Kelly Fontaine quoi que Kelly ouais adresse s'il vous plaît, adresse voilà et Melrose Ballroom 3608 et 33rd Street dans Long Island City. OK, voilà, donc adresse là. Maintenant et peut-être pour bon on nous clair, il y a des gens qui de tout âge et soirée ça nous t'arrêt mais ouais tout le monde, moi-même Agari, nous c'est quand même mettez-nous dans catégorie de jeunes gens qui d'un âge certain et ceux-là d'un certain âge Fabrice. Mais qui étaient jeunes gens. On nous dit qui étaient jeunes gens, c'est sûr Gary. Non, ça on ouais. Toujours jeunes gens. Les générations ça Fabrice qui peut-être pas connent musique. Comme qui bon, n'a pas invité eux, vintende musique. Et n'a pas invité eux, vintende Magnum. Mais moi, je crois que c'est deux fleurons de musique haïtienne. L'homme dit deux fleurons. Moi, crois que c'est deux groupes qui ont passé et ont historique assez important dans la musique haïtienne. Non? Pour ça que vous faites. Et nous parler de Magnum Ben en pile. Et même Capé maintenant parler de musique tout. La musique, c'est un groupe qui existait depuis 1986. Et nous sortis 7e dans le premier concours American Airlines qui était fait tout de suite après le départ de Duvalier. Et musiciens musique, c'est des musiciens qui participaient avec plusieurs artistes de renom. Et je parle de chanteur principal là qui c'est Emmanuel Oba. Emmanuel Oba, c'est petit frère Bitova Oba que un pile monde connaît. Et Emmanuel contribue pour le faire, on dit, pour le faire renommer Bitova Oba. Pour qui ça? Parce que tout premier musique Bitova Oba, c'est Emmanuel qui t'a chanté. Et lors songe lag, ça c'est musique Emmanuel chanté. Et Emmanuel joigne à nous en 1992, de nous décider de remettre le groupe là sur pied. Keke Belizer, c'est un guitariste qui sont même fondateur de groupe là, même genre avec moi. Mais Keke Belizer, c'est un guitariste avec un pile d'expérience. Et le noté plus jeune, Keke était souvent le guitariste de choix de groupe qui t'a fait backup Emily Michel. Au début de Emily Michel, il y allait en tournée un petit peu partout, en Europe, en Asie, avec Emily. Et bien entendu, en 92, nous avons décidé de remettre le groupe là sous pied. Et Keke, ses premiers on dit, promoteurs de remise sur pied du groupe là. Moi-même, moi, c'est un fondateur du groupe YouTube et de musique. Et moi-même, carrière, moi, commence un petit peu plus bonheur que ça. Je commence en 1984 avec un groupe qui est les Piwok, qui était formé, qui est l'escalier. Et moi continuer et moi viens voyager en 86 tout de suite après le départ de Duvalier. Moi viens étudier, j'étais l'école Maryland, j'étais l'école University of Maryland. Et pendant que l'école University of Maryland, moi viens jouer une opportunité pour moi intégrer Tabou Combo. Et c'est une opportunité malheureuse parce que c'est un héros moi qui a été assassiné, que je viens remplacer dans le groupe là qui c'est monsieur Ernst Marcelin. Et moi passé 3 ans avec. On nous dit il y a une plus grosse formation compas que musique haïtienne dans Jambon, qui c'est Tabou Combo. Et c'est venu une institution pour moi et c'est vraiment une grosse fierté pour moi que je suis passé tant ça. Mais retourner à Haïti et nous remettre le groupe là sur pied. Et forme nous, une fois que nous remettons le groupe là sur pied, c'était un succès presque instantané. Et nous sortis des singles. Et une fois que nous sortis singles, nous faisons carnaval. Et c'est un carnaval, et une fois que nous sortis, c'est un carnaval que nous faisons, c'est un carnaval qui est les deux guerres, et c'est comme ça que nous venons les musiques, comme si jazz de guerre. Là. Et carnaval, ça a été un succès phénoménal, et il vient faire que nous venons, on nous dit nous venons dans le ténor du carnaval là pendant des années, côté que nous avons donné la réplique à Sweet Mickey.
Mais nous venons très vite comprendre que l'affaire polémique, là, son bail qui vraiment pas intéressé nous. Et donc, nous venons faire des versions carnavalesques qui on nous dit, qui beaucoup plus musicales que son bail qui est anglais sous polémique. Et nous venons avec un format, peut-être vers 2000-2002, côté que nous mettons, on nous dit Rara, Soucha, et nous font musique qui était les Oukoutap, côté que nous avons Black Alex qui participait sous lui. Et c'était un succès franc, et en essayant, nous avons gagné le concours de meilleur carnavalesque. Par la suite, très vite, nous font musique dans les années 2000, qui était les Blackout, côté que nous avons ironisé le fait que, au lieu que nous Blackout, nous avons ironisé, côté que nous disons, ok, si nous demandons au courant, nous n'avons pas au courant, plutôt nous demandons au Blackout, peut-être qu'il y a au courant là. Donc c'est une ironie, mais une ironie qui était un paquet de teintes politiques là-dedans, côté que nous dit expliquer que nous avons besoin. Et ce qui voulait jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, côté que vous avez besoin de Blackout pour que vous soyez capable de faire élection, et que vous avez besoin de Blackout pour faire Tima Gouyou, etc. Et donc, la musique a devenu un franc succès. Et là, nous venons de faire un succès, ça, nous décidons que nous pourrions faire un album, côté que nous prenons Père nous, on nous dit contemporain par nous, et nous prenons parmi Hit yo, que nous mettons sous format, sous même format avec Blackout. Et c'est comme ça que Haïti Troubadou. Et en même temps, nous invitons un paquet d'artistes à participer avec nous, surtout sur concert live. Yo. Et Haïti Troubadou vit un succès phénoménal que M. Jacob Desroyaux de Regretter Mémoire, et en fait, rencontre ça a fait New York. Hein. Et M. attendait nous et M. décidait prendre une licence de l'album. Et monsieur, il décide même de participer sur l'album, côté de l'enregistrement de titre avec nous sur l'album. Non? Et souvent, l'album, ça a fait nous faire le tour du monde. Et c'est jusqu'à aujourd'hui, c'était un album haïtien qui était le plus vendu. Donc, et par la suite, nous sommes capables de jouer, moi-même avec Kébé Dizer et Charles de Rigaud de Mémoire, nous engager nous dans support à plusieurs artistes. Et par exemple, nous fait plusieurs albums solo, albums de départ pour une collection d'artistes. Je vais citer deux, trois pour vous. Janista qui te fait reggae, Bello qui gagne un concours 2006 et Radio France Internationale, Tiffane, une chanteuse que tout le monde connaît, et Jude Jean du groupe Cadence. Et tout un pléthore de l'autre artiste. Et forme de nous lancé une station de radio pour Prince qui est le Radio One qui était dévoué pour faire promotion musique jeune. Et chaque année, nous avons fait des concours pour que nous dévoiler, enfin, joindre des talents. Et concours, ça, c'est des concours qui sont très populaires, peut-être nous entendons parler de eux, qui est le Soleil Sound System. Et il y a un paquet d'artistes qui sortent de concours, ça, qui ont des gros carrières aujourd'hui. Et autrement, j'aime faire plusieurs bagages et c'est aussi tout. Je travaille avec des jeunes artistes toujours, et malgré une période qui est difficile, et pour nous essayer de dévoiler. Donc, je fais un survol de qui ça que musique est. Et nous pas un groupe qui évolue, alors ça c'est une chose que je veux préciser, nous pas un groupe qui joue régulièrement, mais là nous jouons pour des grosses occasions. Par exemple, nous fait chaque année, nous avons des concerts que nous faisons à Haïti avec particulièrement le groupe Zéclair, qui c'est l'autre groupe grand frère. Et c'est un groupe avec lequel nous souhaitons venir à New York déjà dans le mois qui va venir, mais peut-être nous ferons l'autre interview sur ça. Mais c'est pour ça que chaque événement que nous faisons, c'est des événements que nous vraiment prenons pour nous faire. Et nous pas associer nous à n'importe qui monde pour nous faire événement ça. Et c'est pour ça que nous-mêmes, nous vraiment extrêmement honorés et nous avons gros gratitude pour Jazz Entertainment qui fait choix de nous pour nous faire soirée ça. Merci Fabrice pour réaliser ça. Nous, après, le rappeler encore une fois l'adresse, parce que il y a des gens qui ont demandé l'adresse, parce que c'est facile, oui. Belrose Ballroom, peut-être que il y a des gens qui ne sont pas habitués là, et les gens qui sont. Sous son monde qui n'ont l'âge avancé, je plaisante. En tout cas, mais image, n'a pas gardé, c'est 46-36, superbe affiche, musique, Fabrice, vous êtes capable avec nous là. Et puis, évidemment,
Magnum ben devle get siko, mais quand même c'est pas grave. M'appli et commentaire ça bien vite pendant que l'image va passer pour rappeler nous ambiance là, affiche là, musique musique. Magnum ben à ne pas rater, c'est samedi prochain mes amis. Roosevelt Jean-Michel et on commentaire moi c'est intéressant dans le contexte on t'a parlé là, l'absence des groupes de femmes dans l'industrie musicale haïtienne est de la responsabilité des fiancés, des maris, des éventuelles femmes artistes. Donc messieurs tellement fait jalousie pour mesdames yo. Ça peut être fait sens. Rapidement, vraiment, réaction et Fabrice. Non, messieurs, Jean, nous parlons de quitter mesdames et camper devant Jazza. Nous avons une mentalité. Hein? Bon, c'est correct. C'est correct. Je ne vais pas démentir ça. Mais en même temps, je pense que l'âge et le temps ont changé tout. Ça veut dire que mesdames ont émancipé tout. Ça veut dire que, question pour on fit tes chita là, c'est pour faire manger, c'est pour occuper de Simon. Surtout dans la communauté que nous vivons là, surtout dans la communauté de New York, ça me garantit que ce n'est plus le cas. Et donc, question pour on essayer de contrôler une femme, etc. Et c'est même genre, une femme d'accord dit, bon, jaloux parce que c'est ménagement campé devant jazz. Donc ça c'est un argument qui pas kembe pour moi. Moi comprendre oui, que son réalité que lié. Mais pour moi même c'est pas un argument qui campe parce que écoute on chanteur, on chanteuse, on keyboard player que le garçon que le femme, on guitariste que le garçon que le femme, c'est un professionnel que lié, c'est travail que la fait, c'est pas rien, c'est travail. Vous comprenez donc vraiment moi quoi que fuck faut que t'as changé, moi quoi que il y a un pile de monde qui fait de quoi pour changer. Là moi dit ça, m'pas vle dit non plutôt que dit facile non. Moi dit que c'est un changement qui a vini et tout changement est vini avec des préjugés et me connais la société pas nous et on y quoi comment nous il y a déjà on y quoi comment que c'est difficile pour nous accepter des changements dans la communauté nous en particulièrement mais il est clair que l'avenir hein, et tout le monde n'a pas accepté pas bien le choix non pas bien le choix du tout c'est effectivement ma petite Gary poser dernière question à Fabrice que nous kembe en pile. Fabrice, vraiment merci. Vous imaginez, on les nous mettre sous vous dans le contexte ça et avec information pour vous. Mon cher, merci en pile pour ça parce que vous êtes vraiment ravi. Nous avons en pile, monde qui est content, captant des bonnes informations. Max Robertson, Jabouin, musique de guerre, bon bagaille. Donc, en pile, bonne réaction qui est tombée. Gary, sous une question, nous allons évidemment quitter ma histoire. Oui, là, parce que c'est fait des pères. Oui, donc, parce que nous pas Kembeli, parce que dit jeudi. Je dis là déjà boy site tout le monde connaît qui bon rendez-vous samedi soir Magnum Ben musique et là nous dit Magnum Ben musique nous dit sans pile classe m'babal poser Fabrice aucune question m'a seulement demandé monde qui vient participer parce que grand pile monde qui déplacer et Blaise dit nous grand pile cap 20 gan pile moun ki monte sou internet la k ap pran kat yo m ta renmen ke pandan fèt la fèt parce que l'autre bois son gros côté lié tout moun ap jwenn côté pou chita et c'est ça Fabrice sou dit pendant n'a parlé tout à l'heure li ta renmen wè tout moun monte sou piste la pou danser Magnum Ben li ta renmen wè tout moun monte sou piste lan tout pou yo danser musique parce que gain musique pour yo danser je soit ça m'pa quoi tout pour nous bal camper devant jazz là ensemble avec téléphone nan main kembe téléphone etc. Nous pas besoin ça parce que vidéo a fait a bon belle vidéo k'ap sorti Blaise pas jamais manquer ça lui même parce que m'quoi m'fait 50e anniversaire Magnum Ben nan toute vidéo ça o t'est fait nous a gain vidéo à deux nous pas besoin faire ti bout on essayer al enjoy de jazz ça yo que nous pas ouais souvent n'a pas le temps de belle musique n'a pas le temps de bon compas et puis avec un pile classe tout mon chita ou a plus vite comme musique là déraper et pour monter sous piste là et puis m'ta ramé ouais n'a danser même j'en t'ai qu'on fait en Haïti Fabrice mon côté oui et m'a temps nous jeudi m'a venir chercher au airport moi même ouais m'a venir chercher nous airport voilà c'est qu'on est que nous là vivant Gary, merci. Tout à fait. Merci. Moi, j'ai une question pour Fabrice avant d'aller. Oui. Et bienvenue, Mbappé Boto. Vraiment, une question qui m'a donné une réponse, ni qu'à longue, mais n'a fait le coup. Une question à deux volets.
C'est tellement content que Fabrice comme invité dans l'émission. Ça, il y a une question. Fabrice, il y a comme dans la musique haïtienne, ou même personnellement fait comme. Et c'est un Tidéos qui te dit, musicien, fais-toi payer. Est-ce que musicien haïtien vivent de métier, ou même qui travaille avec un pile musicien, nouvelle génération, ancienne génération? Est-ce que messieurs, dames, on nous dit fait comme dans l'industrie, vrai Fabrice? Est-ce que ça marche pour la musique haïtienne? Bon, il y a plusieurs façons pour elle. Moi-même, quand je parle à voilà, moi-même, je suis obligé de faire mon métier. Et c'est un choix que je fais. Et je suis à l'école, et je monte une entreprise à Haïti, et pour mon travail, 9h05, c'est pour ça que je ne fais pas de musique, mais à plein temps. Et même mes amis artistes sont des amis très célèbres, qui sont sculpteurs, qui sont Patrick Villers, qui disent que, OK, où est le travail là, c'est excuse pour faire de musique. Et ça veut dire que nécessairement, la musique n'est pas peut-être capable de payer. Et train de vivre, et l'école de Simon, manger, mettre sous table tout le temps. Mais il fait beaucoup plus que ça. Et la musique, là, c'est lui-même qui ouvre la porte pour moi. Tout. Ça veut dire que la musique, là, il y a une espèce de notoriété. Et côté que notoriété a permet de parler avec différents mondes. Et la musique, là, tout, je vais dire ça, c'est lui-même pour me mettre en premier. La musique, là, c'est balance qui est liée pour moi-même. Et musique, là, vraiment, c'est passion. Je suis souhaité capable de faire musique. De musique, là, vraiment, gagne. Pas, hein. Et, mais son choix que je fais, il y a très longtemps de ça. Maintenant, est-ce que musique a Baïkob? Oui, musique a Baïkob. Est-ce que musique haïtienne a Baïkob? Oui, il y a des gens qui fait bon l'argent, qui fait l'argent, honnêtement. Parce que faut comprendre tout, il y a bon l'autre facteur là-dedans, bon affaire de faire comme là. Honnêtement, il fait comme là, sans que c'est pour blanchiment ou quelque chose. Même certains, qu'il y a des artistes haïtiens qui fait comme dans ça que vous faites, ils travaillent du boulot, ils font honnêtement. Et oui, moi c'est que tout gagne un besoin de structure et industrie et pour que y ait plus l'argent qui vient là-dedans. Mais c'est certain que si vous faites travail correctement et vous avez un talent et vous nourrit talent, ça veut dire que ce n'est pas un talent seulement, vous avez une discipline qui campe derrière talent, oui, on va faire comme une musique. D'accord. Merci à Pile, Fabrice Cousin. Voilà. Pour temps où, au moment ça que nous passons ensemble, et vraiment, moi. Très satisfait. Moi, réaction internaute autour. Nous comprenons réaction tout. Satisfaction sur toute la ligne. Merci encore une fois, Fabrice Cousier. C'est la fête des pères. Nous avons beau en pile pendant l'émission. Ça, nous avons plutôt allé. Salutations à toute la famille, madame Moutimounio. Un gros merci et puis rendez-vous. Gary dit la vie de chercher un aéroport. Peut-être qu'il y a une caméra, justement. Donc, bonne peut-être qu'en live, nous avons montré Mounio que musique, évidemment, sous place pour samedi prochain avec Madame Ben. Merci Fabrice. Valérie, merci un peu. Et moi-même, je dis nous merci un peu. C'est la première fois que je suis télé image, mais moi, je suis fan. Et vraiment, c'est un honneur pour moi participer avec nous tous. Merci pour l'opportunité. Et permettez-moi de dire encore une fois merci à Evans Blaise et à toute l'équipe Jazz Entertainment qui a fait un travail extraordinaire. Merci encore une fois. Il y a de toi, mon Capsadio, Fabrice, Marc Théagène, Valérie Michelson, Raina Sajous. C'est ça. Oui. Merci encore une fois. Donc mes amis, nous tous qui là, donc hey, m'konne Raina, you not in New York, par contre côté Valérie, Marc Cotoyer, mais rendez-vous c'est dans New York, oui. M'a rappelé nous rendez-vous en dame, ouais, tout le monde sait qu'a réagir ba live là, c'est pas seulement dit bravo, voyez salutations, non. For nous là, you gotta be there. All right. Merci encore Fabrice. Ouais. Thank you. À bientôt. Magnum Band, dès leur premier balbutiement, on avait noté que yo sonné yon l'autre chant. Magnum Band, c'était et c'est encore la seule différence sur la scène musicale compas. 46 ans plus tard, ça n'a pas changé. Magnum Band avec Tico et Dadou Pasquette, toujours sonné bien. Musique, c'est comme une école compas. Nos musiciens, parmi les plus talentueux, ont fait leur meilleure classe au sein de Musique, sous la direction du maestro Fabrice Rouzier. 36 ans plus tard, Musique est classé parmi les plus beaux patrimoines de la musique compas. Avec en mémoire le projet Haïti Troubadour. 46-36, Magnum Band, Musique, réunis pour la première fois sur une même scène aux États-Unis d'Amérique par Jazz Enterprise pour un Anniversary Celebration ce samedi 25 juin.
rendez-vous Melrose Bellroom, 3608, 33e suite, Long Island City. 4636, allons bel chiffre papa. Et vive les retrouvailles avec Magnum Ben Music Music et nous les haïtiens de cette génération 80-90 qui aiment le bon compas. Invité spécial, Eusud Fonkap, avec Karel Pedre comme présentateur et l'intermède assuré par DJ Joubert. Door open at 10, showtime at 11. Soyez à l'heure, s'il vous plaît. Nous connaissons depuis ce Jazz Enterprise qui a fait un événement. C'est toujours de la grande classe. Tout bagaille on time. Information et réservation 347 203 2020 646 302 29 26. Voilà, soirée à ne pas rater, vraiment à ne pas rater. Je souhaite que tout le monde qui dit que y'a plat, qui t'a fait commenter en bas live là, après l'interview Fabrice Mouzier, y'a plat. Et puis, restez branchés, ils sont pas finis, non? Non, non, it's not over yet. Non. Valérie is in Queens. Valérie, New York, Queens, vous dit au Pacapala. Ok, fanatique Pacapala. Ketli Fontaine dit la plat, ok. Obé Baya. Bon, bon, parler avec Madame Exatus. Et Madame Exatus. Boulebolette, c'est 46-36, oui. C'est pas 46-46. Souvent, jouer boulebolette là, jouer le mien. C'est 46-36. On a perdu. Oui. Et m'attend Madame Exantus tout. Valérie, on attend Madame voilà. Exantus dans Magnum Ben et musique, musique ça tout. Musique, samedi. Regardez, oui. Il y a Folvin Weno. Oui. Oui. Il y a et puis, Marc-Eddy, nous voulons saluer Marc-Eddy. Marc-Eddy, vraiment, écoute. Je prends ça au sérieux, je m'en dis la vini, je dis ça qui passe. Non, je vais chercher Marc-Eddy un pote. Je laisse bal ça. Valérie. Je vais chercher Marc-Eddy un pote. Tout à dit. Oui, moi-même, quand je vais chercher Marc-Eddy un pote. Marc-Eddy, oui. Ok, bon, regardez. Marc-Eddy fait qu'on est. Oh, yes, I remember. Où songez Valérie, nous avons filmé musique, musique pour Accent Magazine dans le restaurant de Richard Simon. C'était La Chaumière. Dans Queens. La Chaumière. Où songez tout, bal, nous avons bal, fantôme, musique, musique là. Na Connecticut. That was the good old days. Mais les gars, on prend le temps cette fois-ci pour saluer non seulement mon cap gardé, nous pas saluer comme dit Terre, nous gars, quand on passe, oui, parce que l'émission presque fini. Ouais. Nous beaucoup ouais. Passer les camions. Mais c'est aussi l'anniversaire ouais. De Barbara, c'est deux mondes spécial qui a fêté, qui a célébré son anniversaire. Happy birthday to Barbara. Je me joins à toute l'équipe. De téléimage, il y a plus de monde qui était en bas live là, qui t'a salué Barbara, qui t'a dit happy birthday. Barbara Gary, qui a gagné 2-3 photos sur Facebook. Moi, j'ai après un film de photo, moi, j'ai couru à la photo. Photo avec bien, parce que je me dis, mais écoute. Oui, la robe haïtienne. Parce qu'on ne comprend pas. Parabella Ali. On ne comprend pas. Voilà pour dire joyeux anniversaire à Barbara encore une fois. De la part de toute l'équipe de téléimage, happy birthday to Barbara Saint-Louis. It's your birthday. Cette robe qui... Carabella, ça, c'était... Ouais. Carabella, ici, non, oui. Valério. Valério, bon, mon petit chance. Ouais, Carabella, ça, et ouais, Barbara, qui font photo, et sous plage, grosse troche, là, sans souliers, sans sandales, avec Carabella, ça, pendant de l'eau, oui. L'âme, la mer, monter sous pied, et puis c'est où, cap filmé. Ouais, et c'est pas moi. Bon, m'a filmé, okay. Nous même en bas, cap filmé, oui, c'est eux même pour qu'ils prennent ça ou pour oui, filmer, filmer. Carabella. Oui, Baba, Wobla, si son cadeau, si c'est Valério Baoul, il est beau. Bon, et Baoul, côté jeune radar, c'est ça qui doit là. Son question pour me poser dans la carrière, oui. Non, il cherchait. Il a fait pas. Il cherchait, il cherchait, il a fait pas. Fais-moi confiance. C'est mon poudou.
Parce que l'on parle là, peut-être, t'es kamizi. L'on parle là. Mouka, oui, texte, baba, habite New York, ensemble avec qui. Oui, oui. Yeah. Baba, it's a beautiful picture, it's a beautiful woman. It's a Haitian woman. Comment elle a montré haïtienne, haïtienne dans tous les sens. Pour son anniversaire, il choisit habillé en haïtienne. Et Marc dit, Pierre Guizzi, happy birthday, Barbara. Marie Timère, happy birthday to you too. Barbara, she's saying happy birthday to you, Barbara, I should say. Voilà, Barbara qui célèbre son anniversaire. Oui. Et puis, nous avons un spécial papa, parce que fête papa est important pour nous. Oui, mais nous avons un spécial tout cap fêter. Valerio. Oui, vas-y, Gary. Nous avons un spécial tout cap fêter fête. Jeudi, c'est, n'a pas profité de bonne fête à ex. PM Gérard Latortue. Jodi a fait un golage, nous pas dit nous-mêmes, n'a pas kembé le pour lui, mais lui-même nous dit nous connaît la prêté en bonne santé, même genre. Il a peut-être un petit problème avec genou, hein, mais il dit un bagage dans interview dans station seul l'autre jour à partir de en les genoux jusqu'à point de cheveux dans tête li en pleine forme. Tendez bien oui, à partir de genou jusqu'à point de cheveux dans tête li en pleine forme. So happy birthday, happy Father's Day, PM Gérard Latortue. Valerio. Monsieur Gérard Latortue que n'a pas salué encore une fois que Gary à juste titre Gary, merci parce que vous rappelez ça. Nous pas capable faire des salutations spéciales et avec toute révérence que ça m'a dit pour nous saluer et gros poto et garçon ça qui servi pays en tant que premier ministre et qui pendant que l'a servi pays a li montenu un bagaille l'a quitté l'a sorti l'a remettre pouvoir après que le fin d'organiser élection certainement li remettre un document qui est important pour histoire pays ça. Et si je ne me trompe pas, je vraiment biaisé, même quoi que c'est premier, c'était la première fois moi-même que j'ai vécu PAM comme DOSA, ça, et c'était une rare occasion que au monde qui était à la tête du pouvoir, qui a quitté et puis qui remet un rapport détaillé de tout ça le fait pendant que j'étais sous pouvoir. Le livre blanc, et un livre qui dit carrément qui ça le fait et qui permet que tout le monde capable ouvrir livre ça, son livre était historique. D'ailleurs, si vous voulez un livre ça, faut chercher. Je ne me rappelle pas du titre du livre, désolé pour ça, mais je vais chercher pour partager ensemble avec nous. Le livre blanc. Hein. C'est quand même Gérard la Tortue. Oui, Gary, c'était. Le livre blanc. Ouais. Le livre blanc, côté que livre blanc ça, il était bas rapport tout ça le fait. Et tout ministère, yo. Tout ministre te remet un rapport à la nation, dit mais qui ça a été fait, mais combien quoi tu as comme budget, mais qui j'en dépensé. Franchement, ça, c'est que faut nous bailler, ancien premier ministre, Gérard Latortue, crédit ça, c'est une rare monde qui fait, jusqu'à présent, l'autre monde qui sorti sous pouvoir, on fait ça, et livre là publié, s'il vous plaît, li disponible, par contre, côté disponible, mais au café recherche, ou abjoint livre ça, consultez livre ça, côté que tout département, dans l'administration pays, dans le moment que lui-même était premier ministre, il y a un rapport de fonctionnement. Yo. Ça, vraiment, bravo, c'est un exemple. Que je pense que l'autre dirigeant doit suivre. Où je nous poste, il y a un poste. Alors, évidemment, son poste de responsabilité, premier ministre, c'est ton poste de responsabilité que l'on a. Ou bien, il est élu, ou élu non poste. Et la première magistrature de l'État, et comme premier ministre, ou chef de gouvernement, faut qu'on bat la nation des comptes. Vous devez des comptes à la nation, nous avons un rapport pour nous battre la nation. Monsieur Gérard Latortue, ancien premier ministre, merci parce que tu as fait ça. Merci encore une fois. Bonne occasion ça pour moi saluer j'ai ça pour moi dire tout le monde qui pas de connaître que où tu fait et encore une fois la nation doué des remerciements pour j'ai ça. Encore une fois joyeux anniversaire, bonne fête à monsieur Gérard Latortue qui fête son anniversaire. Pas vu bail là Jagari, mais il reste jeune quand même. Non. Jeune d'esprit. Oui, il était jeune. Et très lucide, très créatif, nous parler avec là, il était très content saluer et auditoire telle image là. C'est un monde qui est branché, qui toujours qu'on a gardé nous tout. Merci pour ça. Et puis, Nabdil, ad multos agnos, longévité et surtout santé à monsieur la Tortue, ancien premier ministre. Merci pour son service au pays. On prend la pause et puis on retourne pour nous parler de ce qui a passé dans le pays, actualité. Qui Jean Balaye, ici en Haïti, on a fait ça tout à l'heure comme ça. La pause. On revient juste après. Nous branchons les images depuis Queens, New York, Gary Altidore et Valerio Saint-Louis.
Barbara n'est pas avec nous ce soir, mais elle fête, l'a fêté et l'a continué à fêter à ce soir-là. Donc rassurez-nous, elle est aussi branchée, n'est-ce pas Barbara? La parfumerie de Barbara, a chic little boutique, located in the heart of Baldwin, Long Island, New York, where you can find the most exotic French perfumes for both men and women, and also for the little ones. Yes, boys and girls have a nice choice of perfumes at La Parfumerie de Barbara. Située au 1935 Grand Avenue à Baldwin, Long Island, La Parfumerie de Barbara vous apporte la ville de Paris dans toutes ces bouteilles de parfums que vous regardez. Toutes les grandes marques, les grands noms de couturiers et designers français s'y trouvent. Sans oublier les produits cosmétiques de marque française. Une variété de déodorants français antitranspirants. Des crèmes pour le visage et pour le corps préparées dans des laboratoires français spécialisés. Vous trouverez aussi à la parfumerie de Barbara la fameuse poudre bourgeois pour votre visage, madame. Toutes les variétés des bien-être. Le savon français, mon savon. Toute la gamme des produits Fenjal. Et pour les soins de vos cheveux, mesdames, les produits Missanti, Activilon, en pommade, huile et ampoule. Pour vous, messieurs, les déodorants et parfums de grandes marques françaises et de l'Europe, et spécialement les parfums Creed. Découvrez aussi à la parfumerie de Barbara des accessoires de beauté et des bijoux de fantaisie, des articles d'art de chez nous, des tableaux haïtiens, de bons livres d'auteurs haïtiens et une sélection de musique haïtienne en micro-sillon laser pour les beaux mélomanes. Tout ce qu'il vous faut pour offrir un cadeau de choix et de valeur. Alors, retenez l'adresse de la parfumerie de Barbara, 1935 Grande Avenue à Baldwin, Long Island, et notez le numéro de téléphone, utilisez-le pour appeler Barbara au 516-805-2318. 516-805-2318. We ship all over the US and we take all major credit cards. La parfumerie de Barbara, un joyau de boutique qui vous apporte Paris jusqu'à Long Island. 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island, phone number 516-805-2318. La parfumerie de Barbara. Did you know that there's a new urgent care center in your community? We're Big Apple Urgent Care, located in Brooklyn. I'm Dr. Moise. This is physician assistant Phil. We're personally inviting you to come in to us for your medical needs. We treat everything from sneezes to stitches. Can't get an appointment with your primary care doctor? Just come to Big Apple Urgent Care and we'll see you right away. No need to wait long hours in the ER for minor illness. We'll see you in under an hour. Just come in, no appointment necessary. Be sure to check us out on Facebook, Google, Instagram, and our website. For more info, call the number here. Be heard, be helped, be healthy. Chérie. Je suis toujours tout le monde. Où est-ce affaire sécurité? C'est spécialiste ou bien gérer ça. A te a piégé, 10 000 G à garder ou dégrenge au pacifique pour détecter mauvais G. Fait qu'il opposé, bah Seco bah au sécurité. Seco Sécurité, c'est une compagnie sécurité moderne qui a des agents de sécurité bien formés, spécialisés dans défense et protection VIP, dans foule, dans situation difficile et zone hostile. Agent sécurité, c'est quoi bon en pile? Dans sécuriser business, bureau, événement ou des terrains avec résidence ou besoin surveillé, Seco Sécurité a bah ça propre. Ou but sécurité privée, relais Seco Sécurité 2940-0349. Seco Sécurité, ou ap vin en Haïti, ka ou kase trop, a te a piégé, pa fèl pou kò, relais Seco Sécurité
305-892-0680. 305-892-0680. Adresse Rue La Tortue, numéro 14, Delma 48. N'importe quoi réglé qui implique sécurité, sécurité privée, bodyguard, gardiennage, sécurité à Bausa. Propre. Sécurité dirigée par Maître Michelin Nestor. Team Saint-Louis a continué vendre caille dans toute state New York là. Fois ça, sold by Team Saint-Louis in Uniondale, Long Island, a beautiful Cape style home with 4 bedrooms, 2 full baths, a swimming pool, 2 car garages. Caille ça dans Uniondale, Long Island, vend pour 525 000. Team Saint-Louis permet la famille Dumont réaliser rêve. Team Saint-Louis toujours accompagné client lié depuis premier jour rencontré Algat caille. Rivé jouk sous table closing nan côté que Philippe, madame ni ak petite li té signé papier caillou comme chez maître chez maîtresse. Après ça, c'était gros la joie, la contentement. Philippe Dumont déclarait que Barbara s'est famille tellement satisfait de ses services. Cousin, cousin, oui, cousine, moi. Cousine, moi. Mon clé, quand elle a pour m'aller. Très bientôt. Barbara, c'est lui. Avec un pile émotion, il dit que lui content pile et puis le reconnaissant à Team Saint-Louis. Tout bagaille, 100%, 10 sous 10. Wow. M'bloqué, il t'est bloqué. C'est Claude qui bombe Barbara. Et puis, en plus, famille, en fait. Comme maman m'a là. Et la maman qui mène ici, maman Bala, me dit maman merci. That's nice. Me dit frère Jean-Claude merci. Parce que c'est eux-mêmes qui retirent mal si ça y est pas là. Philippe Dumont, nouveau propriétaire de maison à Uniondale, Long Island, exprimer satisfaction pour Team Saint-Louis avec une belle enveloppe et puis une carte de remerciement. Ça qui est plus important. Les gens dans sous auto là travaillent avant faut qu'ils comprennent. Ouais. Et pas arrêter de dire merci dans bouche. Ou qu'on carte de remerciement faut bailler. C'est pas bailler équipe là. Ça c'est et pour on son carte pour team là. Team là. OK. Et ça c'est pour carte de remerciement. Oh. Oh. Qui bailler la nuit. Bah on est. Merci, merci. Merci en ville. Merci en ville. Team Saint-Louis au service de la communauté. Team Saint-Louis a travaillé pour faire rêve tout le monde qui voulait acheter un caille vin ou réalité. Team Saint-Louis a vendu caillou en pour tout dans bon condition. Contactez Team Saint-Louis. Barbara Saint-Louis, Real Estate Advisors, dans 516-805-2318. Valerio Saint-Louis, Real Estate Advisors, dans 516-805-5410. Team Saint-Louis. Pabli, abonnez sous page YouTube Téléimage là. Si vous regardez nous sous écran ordinateur ou cliquez sous bouton abonner ou soit subscribe. Après ça, cliquez sous photo petit clochard pour qu'à joindre toutes nouveaux dernières vidéos et émissions que nous avons pour poster. Si vous regardez nous sous téléphone ou fait même genre, cliquez sous bouton abonner ou bien subscribe. Nous gens pour rester connectés avec Téléimage. Live en direct depuis New York, depuis Queens et Long Island, depuis nos studios à Queens et Long Island. Nous allons rapidement parler de qui ça marque l'actualité à Gary. Nous retenons de ton information, qui certainement intéressé ou même qui vivent en Haïti ou même qui dans la diaspora. En garde pour nous, qui ça marque l'actualité à Gary. Rapidement, en aller, son collaboration Télé Image et VOA Creole, La Voix de l'Amérique. Gary, imaginons, ça fait quand même depuis vendredi 10 juin, dans la Coupe Port-au-Prince, bandit à Gozam Fanfoualou. Bandit yo campé, yo carrément, Gary. Yo kidnappé par la justice en Haïti. C'est moi qui grave là dans Port-au-Prince. Et me pensais que par la justice en journée jeudi a yo non seulement cambriolé, yo gen zam nan mer jusqu'à présent, yo n'a pas la justice hein. Et son bagage qui baronnes qui j'entends expliquer ça. En tout cas, c'est information hein. Et c'est VOA Creole pardon avec Mathieu Dovinme qui a rapporté ça pour nous depuis Haïti en garde. Jusqu'à présent, eh bien, groupe civil Axam qui était envahi depuis vendredi 10 juin passé à Palais de Justice dans Port-au-Prince, toujours gagné contrôle espace là. Constat nous fait pour jeudi, jeudi 16 juin, nous pas remarqué véhicule blindé police nationale qui t'a sécurisé bâtiment. Porte-paquet a toujours été fait même. C'est pendant une interview, Ené Matin, président association nationale greffier haïtien, yo bay Radio Magique 9, yon radio qui dans capitale là. Bien fait qu'on est, bandi yo rentré dans archive paquet a, yo mette diffé dans dossier. Yo et puis yo allé tout à coffre fort avec machine qui était dans la cour. Il fait qu'on est tout depuis un bon bout de temps palais de justice était totalement sous contrôle groupe civil armé qui a évolué dans village des dieux côté était déjà installé bien haut caméra surveillance dans périmètre là.
Cependant, commissaire gouvernement Jacques Lafontaine continue à solliciter concours police nationale là pour capable à le faire constater calio. De l'autre côté, Jacques Lembelizer, c'est police nationale là qui continue à compter d'ay côté bandi exam dans zone Croix des Bouquets, l'ouvre cartouche sous yon inspecteur divisionnaire, ça qui passait à hier mercredi 15 juin. Yon kou ki pa affaibli institution, même yon ti grâce, ça nous répéter après nouvelle qui fait qu'on est tout, plusieurs agents brigade recherche et intervention mettaient d'eau deux présumés bandits à terre, dans même journée mercredi 15 juin. Si la yo acquise comme moun qui comprend habitude détourner camion et puis fait kidnapping tout. Action sa passé dans commune Delma, puis précisément Delma 83. Pour finir, Jacques Lembelizer, Abdou, jeudi 16 juin, c'est fête Dieu. Gary, c'est à noter que je dis à l'insécurité à l'île seulement, li pas seulement nous dit dans des quartiers spécifiques dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, il arrivait juste en dedans par la justice. Hein? La justice haïtienne, en bas, mais bandit à Gozam, oui, il y a plein d'assaut par la justice. Hein? C'est à noter quand même. Voilà, le bail pour nous, malgré l'insécurité, enfin nous dit Gary, pour l'autre point qui est important, nous parler de Livre en Folie qui, malgré l'insécurité, est arrivé fête en Haïti. C'est 28e édition Livre en Folie qui fête dans la Coupe Port-au-Prince, dans Caribé Hôtel. C'est quand même un rendez-vous assez important et ça vraiment intéressant pour nous, qui gens haïtiens, quel que soit ça vous l'avez dit, mais haïtiens en Haïti, yo branché livre, jeune et grand monde, monde qui peut être moyen âge, yo très intéressé dans les affaires lecture, Gary. Dans Caribé Convention Center, dans l'hôtel ça, c'était 28e édition Livre en Folie et nous joignons. Non, 28e édition, ça, 1200 livres que vous présentez à public, hein, et avec 108 auteurs, 108 écrivains, sont gros causés. Bravo encore une fois pour 28e édition Livre en Folie en Haïti. Encore une fois, c'est Véro Créole qui a présenté nos reportages. Ça. Malgré phénomène insécurité, hein, 28e édition Livre en Folie année ça a attiré la grande foule. Événement ça qui déroulait dans l'hôtel Caribé Convention Center dans Pétionville, c'était occasion pour divers auteurs exposer ouvrages avec lecteurs qui ont même été soif pour ça. Merlin Hippolyte Maniga, qui s'est habitué dans Livre en Folie, pas de cacher contentement. Ma première fois que m'a participé à Livre en Folie, non seulement comme lectrice, même toujours présenter livre, et c'est deuxième fois que moi en signature. Ça veut dire que ce n'est pas le premier livre qu'on m'a présenté, mais année ça, c'est le premier livre qu'on m'a présenté. Donc c'est un plaisir pour moi. Je vais changer un petit bout, mais cependant, il faut que pour m'en adapter. Protecteur citoyen, Maître Conan Edouville, bat bravo pour organisateur événement qu'il tirait ça. Le combat permanent pour les droits humains et ses figures historiques, c'est titre ouvrage M. Edouville qui est également en signature. Féliciter l'organisateur. Nous voulons dire que c'est une très belle activité. C'est une activité qui mérite supporter. C'est une activité qui mérite encourager. Livre en Folie, parce que c'est une activité qui mettait accent sur un volet de droits humains d'une grande importance. 28e édition Livre en Folie réalisée dans un contexte insécurité généralisée qui j'en pour organiser yon l'armée de métiers à qui la police professionnelle, sénateur Yuri la torture était quoi toute société a doit inspirer de ouvrage ça dans quatre batailles pour croiper criminalité. La police et l'armée sont complémentaires. La police pour la vie et les biens, l'armée pour la sécurité nationale, c'est-à-dire la sécurité des frontières terrestres, maritimes et aériennes. Donc je crois que tout dirigeant, toute autorité, toute société civile qui a inspiré de livre là pour comment réorganiser la sécurité publique de ce pays. Payant à vivre un moment difficile, ministre Kilti à communication reconnaît ça. Emily Prophète mandé tout citoyen chita parler pour résoudre situation. Haïtien doit chita parler une à l'autre pour nous comprendre les vies, pour nous faire situation changer dans le pays. Parce que c'est responsabilité de chaque monde pour faire situation changer, pour dire un mot contre ce qui a passé et dire nous qui vivons dans le pays et le pays qui a toujours plus à l'aise pour nous vivre, c'est Haïti. Philippe D'Alembert et Pierre Raymond Dumas, c'est deux invités d'honneur 28e édition Livre en Folie. Youna organisé organisateur événement Franz Duval salue engouement lecteur, notamment Genio pour littératie. Je dis à la conseil de sujet, depuis ces deux ans, parler, je n'y ai fini, je n'y ai répondu. Et Livre en Folie montre ça depuis 1995. Au départ, Livre en Folie, c'est une activité pour tout le monde. Je dis à la Livre en Folie, c'est un bagage pour tout le monde. Pour
édition ça, il y a 1200 titres qui disponibles, 135 nouveautés avec 108 auteurs en signature. Moi, c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour Service Créole, La Voix de l'Amérique. La collaboration La Voix de l'Amérique et Téléimage, nous avons râlé pour nous râler, mais nous avons un petit round-up, si vous voulez, en anglais, nous avons dit que ça qui nous retenu pour qui marque l'actualité. Malgré la sécurité à Gary, il y a un folie, nous avons monde qui prend la rue, qui a regardé et qui a acheté le livre dans le Caribe. Un pile monde. Il y a un pile monde. Bon, en principe, l'année ça, il fait en direct et parce qu'il y a plusieurs auteurs, il y a plusieurs monde qui étaient présentés. Et Tezio qui t'a présenté Livio, nous t'as suivi ça sur et réseaux sociaux et surtout sur Magic 9 Radio Senou et télévision Senou tout. Nous avons plusieurs monde t'as regardé et ancien président Prosper Avril qui t'a présenté un thèse sur sécurité, sur même histoire de l'armée d'Haïti. Nous avons plusieurs monde et ancien première dame et madame Maniga li t'a présenté livre li là tout nous tout bagage ça nous t'a regardé et nous souhaitons nous croit que grand pile et téléspectateurs auditeurs qui t'a tendu qui ouais que grand pile effort qu'a fait mais quoi que ça reportage qui était avant montrer nous qui ça pays d'Haïti jodia comment lié on la rue vide sale et surtout quand on parle de justice on paye bon bah connait qui ça nous t'a dû dire nous-mêmes est-ce que la jusqu'il la fini est-ce que la priorité net comme ça est-ce que pas bon mot qui dit pour pays d'Haïti Valérie tout à fait Gary malgré insécurité quand même Livre en folie d'après un peu de monde c'est ton succès. Donc, on tout l'horizon de qui ça marque l'actualité. Hein? Pendant ce temps, on a salué les gens qui branchent eux. Ronel Shoot, notamment Gary, qui on a salué. Bonsoir, Ronel Shoot. On a dit bonne fête des pères. Happy Father's Day. Salutations à ta femme, Ronel, et à toute ta famille. Ronel Shoot qui salue Valérie et Gary. Des amis, n'est-ce pas? Ses amis, toujours amis, Ronel Shoot. Content de voir. Tes amis. En avance, fois ça, Gary. Nous parlons pas de. Parce que ça, c'est un phénomène. Phénomène, ça, li, évidemment, c'est une conséquence de l'insécurité. En pile jeune, en pile monde a quitté le pays, il y a évidemment chapé pour lui, puis il y a eu la vie meilleure. Il y a cherché la vie meilleure à l'étranger, dans l'autre pays, notamment dans le pays Amérique latine. Il y a ça qui prend route, il y a ça qui prend avion, il y a ça qui même prend bateau. C'est comme ça que dans la semaine qui s'est passée là, nous jouons quatre côtes américains, les mêmes qui avaient plusieurs rapatriés, plusieurs compatriotes haïtiens. Ils ont parlé de 67 dans eux, 67 haïtiens, c'est eux qui étaient sortis dans la zone quartier Morin, dans la zone dans notre pays, plus précisément dans le cap haïtien. C'est Gérard Maximo de VOA Creole qui a nous reporté ça. La question a été faite vendredi qui s'est passé là, dans la commune quartier Morin, zone Chavano. Il y a un rapatrié qui a parlé visage et filmé. A expliqué qui Jean garde-côte américain est arrivé Kembeo. Les gars qui étaient Miami, nous jeune plusieurs bâtiments expédiés tant que bateau qui fait américain, a dit nous jeune plusieurs en haut qui a rentré dans Miami, a dit nous venir suivre Caprio, a dit nous venir la Gelanc, les qui la Gelanc là, n'a suivi. Yo Kembe nous même. Yo Kembe nous depuis vendredi, mais on dit Kembe nous, pendant que nous vendredi, on va arrêter bâtiment vendredi. Depuis vendredi quand on nous, n'a frappé yo, a dit yo venir prendre nous dimanche après-midi. Pendant que venir prendre nous dimanche après-midi, c'est juste il gagne l'autre camarade qui dans le bâtiment tout. Ba connait quelques conditions ensemble avec famille, ensemble avec l'autre camarade de proche tout. Camarade là arrivé prend disposition arrivé quitter pays là élément arrivé quitter bâtiment on est là monter bâtiment tout un bâtiment qui magie ou monte avec magie tout un gain qui plus faible c'est au cap quitter pays il est arrivé mourir dans la mer il a été dans la mer pendant 6 premiers mois année 2022 à garde-côte américain rapatrié dans ville cap-haïtien plusieurs milliers de compatriotes Kevin Augustin c'est responsable office national migration dans le département Nord. Garde-côte américaine de janvier à mai, nous recevons 11 voyages garde-côte américaine. Par aéroport de janvier à mai, providentiel, nous recevons 58 vols. Avec Nassau, nous avons 2 vols. C'est mercredi 15 juin 2022 que garde-côte américain est rapatrié dans la ville cap-haïtien, 67 compatriotes. Parmi eux, il y a 53 garçons, 7 femmes et 9 timons. Comme d'habitude, yo chaque jour, ils ont plat manger avec 7500 goud pour yon capable de retourner la caillou. Gérard Maxino Cap-Haïtien pour La Voix d'Amérique. Un phénomène qui
grave et difficile pour surtout pour des monde qui peut-être qui gagne petit yo qui peut-être pas comprendre réalité hein, qui décide prendre bateau voilà que 68 compatriotes ça y aura rapatrié et retourner garde côte américain kembe yo y aura rapatrié mais gari gagne l'autre qui yo même fait voyage là yo pas arrivé à destination ça qui mouri dans de l'eau dans mitan de l'eau ça qui disparaît jusqu'à présent par contre côté yo il disparaît c'est disparaître là qui est inquiétant parce que si moun nan prend de l'eau at least c'est même si c'est ta marinio qui ta barré yo ou ta kembe yo mais c'est le bateau a disparaître là est-ce que c'est mauvais vent qui la cause bateau a disparaître yo pa jamais joindre même comme yo et pas aucun et explication qui baille sur ça. So, ça veut dire est-ce que moun sa va continuer faire même bagarre là toujours prendre bateau sans sécurité sans sauvetage et puis pour yo jeter ou pour y aller et puis leur rentrer après yo pas arriver côté à destination. Tout à fait Gary. Raison que yo baille c'est insécurité d'abord, insécurité qui fait que yo a quitté pays là, y a sauvé échapper pour yo et certainement la vie qui est difficile, la vie dure en Haïti. C'est comme ça que n'a prend trois fois ça dans l'autre information qui tombait dans semaine là qui parlait de enterrement funérailles, ça a été dû en pile pour un pile monde qui t'a regardé, qui t'a pris en nouvelle ça justement sous Véo à Créole. Enterrement plus passé. Et 11 jeunes femmes, on nous dit précisément 11 jeunes femmes, des femmes cette fois-ci, qui parmi plusieurs monde qui étaient pris en bateau et essayé ou est-ce qu'ils ont traversé Jean Bédlo pour arriver dans Porto Rico, ils ont sorti République Dominicaine, ils ont traversé puis où est-ce qu'ils ont arrivé. C'est Sandra Lemaire Véo à Créole qui a fait un reportage ça, c'est un cri d'alarme. En dedans la communauté haïtienne, à côté de gens qui pas bon ici dans la diaspora, qui ont même tout une famille dans le bateau, ça y a un navire qui ont, enfin qui gagne une famille là-dedans, bateau, y a un bateau qui disparaît, porté disparu, pas jamais contre côté communauté, quoi qu'il y ait plus passé 36 monde qui disparaît, des jeunes qui peut-être tapent ici, cherchant la vie meilleure, y ont distribué photos sur différents réseaux sociaux, situation s'aggrave en pile. Reportage VOA Créole, Sandra Lemaire. L'enterrement 11 femmes haïtiennes qui mourent dans un bateau chargé avec migrants, tout présilé Porto Rico, chanté dans San Juan mercredi. Ils étaient teenager, maman petite, étudiante, graduée université, et ils tout étaient à bord d'un voyage plus dangereux qui fait pendant mois passé. Bateau Yoa a transporté entre 60 et 75 migrants. Et 11 parmi eux mourir. Gain au moins une douzaine qui soulise moun qui disparaît. Autorité arrivé sauver 38 migrants. Quelques parmi moun qui étaient présents yo t'ai levé téléphone yo en l'air mercredi pendant yo t'a diffusé en direct funérailles là ak l'enterrement sur réseau social pour famille qui en Haïti qui pas gain l'argent pour voyager Porto Rico. Image sa yo te permet haïtien ka vive illégalement sous territoire américain et qui te peur pour yo pas arrêter yo gen une chance pour di victime yo adieu. Autorité américaine yo rapporté une gros augmentation dans quantité migrants haïtiens yo arrêté tout partout dans Caraïbes là comparativement à kanek sot passé yo. Pi fort migrants qui mouri sous la mer incinéré. Mais profil, un leader local haïtien dit lui-même avec l'autre yo te goumé pour une funéraille parce que haïtien pas quoi dans incinération et puis yo pas de rapatrier cadavre à cause bureaucratie gouvernement. Nous réunis la parole Sainte-Thérèse pour nous rendre un dernier hommage pour nous dire un dernier au revoir avec frère Moyo avec Saint Moyo qui l'a jodia. Yo patina mes mercredi a te chanté en créole et drapeau haïtien te couvri chaque cercueil ensemble avec photo moun qui en dedans. Dans cimetière, yo te bravé gros la pli ak la bou pour assister cérémonie l'enterrement. Quand une dame qui te prend relais pendant moun qui te aux alentours lio te entouré et puis chanté pour calmer. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Une situation qui grave en pile gari, en pile douleur, et dans le cœur, en pile parents, famille moun sa yo kap sauvé qui te pays à point sécurité pour chercher la vie meilleure dans l'autre pays gari. Ouais.
nous suivre. D'accord, on n'a pas avancé, on a salué fois ça. Dossou Serge qui branché, merci parce que branché. Et Roosevelt, Jean-Michel, au fond commentaire là, qui quand même n'ont pas prêté sous l'étoile, même parce que li important pour nous noter, ou parler du triangle des Bermudes. Et on mettait peut-être d'elle. Effectivement, c'est possible. Triangle des Bermudes, c'est une zone que, eh ben, on nous dit historiens, géologues, océanologues, on a fait des recherches dans la science. Ils ont dit que son triangle qui entre Porto Rico, Haïti là dans tout, et puis on l'a dit là dans zone Caraïbe là, son zone jusqu'à présent qui était mythique, son mythe. Et il y a des gens qui disent qu'il y a mysticisme là-dedans, qu'il y a des surnaturels qui passent dans le triangle ça. Et voyage ça, les côtoyer, les passer, si ce n'est pas dans le mi-temps triangle, mais les passer du moins dans la zone triangle des Bermudes. C'est ça qu'un peu de monde dit, qui t'a expliqué justement la situation ça, de bateaux qui ont disparu dans l'histoire. Il y a rapporté qu'il y a un avion même qui a disparu, qui passait dans la zone Sagali. Ouais. Mais pas avion haïtien, parce que pilote ça, yo, peut-être, il y a une zone pour faire, il y a côtoyer. Aria pour y passer, même peut-être bâtiment lui-même, et pour gens voyage ça va fait là, pas de map, pas de rien, monsieur ça ressemble, mettez voilier ou soit mettez moteur et puis pour y traverser, et puis peut-être c'est ça crivé parce que nous pas dit nous-mêmes, parce que nous pas connaît. Des bateaux qui pas même, nous pas connaît. Qui pas même équipé, j'en suis dit à Gary, qui pas équipé, qui pas un moteur pour faire pour traverser ça, gros la mer, gros de l'eau, ouais, et sont gens qui ont un gros requin, capitaine, manger, pour manger le monde. Ouais. Tout à fait. Ouais. En avancé. Aïe. Francky Siméon dit que chaque bateau qui passait dans la zone ça, il prend yo. En tout cas, Triangle des Bermudes là, si nous pas au courant de lui, faire recherche sur lui, c'est quand même un bagage qui paraît être une information, mais c'est certainement une thèse que plusieurs monde n'a pas avancé dans la question. C'est sur le scientifique, nous pas connaît. Une autre actualité que nous retenons pour vous, qui marquait ce maintenant, c'est un artiste, pourquoi pas, artiste ancien président, Michel Martelly, qui a fait l'actualité de façon pâle. Michel Martelly qui voit de temps en temps des performances balio capé annulées dans différentes zones. Fois ça, c'était dans zone Brockton, Massachusetts. Il a annulé bal Michel Martelly. Récemment, quoi c'est hier ou avant hier tout, il semble qu'en France tout, gagne des balles cap annulées. En tout cas, précision sous bal ça qui était annulé dans Brockton, Massachusetts. Elrich Dorilas pouvait voir créer la bonne précision. Deuxième balle, Michel Martelly à groupe musical. Lee, suite mais qui t'a fait dans The Perfect Place, la coupe Porton annulée. C'est après Fred Fontaine qui est propriétaire de Perfect Place. C'est pas politiquement une grande solution, question business decision que je prends, parce que je face à vision pas accomplie pour faire la fête. Pas de problème pour faire fête, comme des joueurs, pas de pression que je dois le prendre pour me cancel la fête. Mais, unfortunately, moi-même, je travaille sur le principe. Décision, prenant son business décision liée que fête la cancel. Quelques jours avant d'être annoncé que fête la cancel n'est pas faite dans The Perfect Place, Fred Fontaine, propriétaire de Perfect Place, te dit dans Micro La Voix de l'Amérique, son business qui est gagné, il fait business à tout le monde. Moi-même, son businessman, il faut comprendre que si par exemple, opposition vient, par exemple, une bonne business, on ne peut pas dire, on ne peut pas dire. Si n'importe qui vient, Aristide vient, Duvalier vient, l'élève vient, yo même venir avec opposition groupe yo venir dans place moyen m'ba un choix m'a baoul quand même tout ce que n'amener groupe là par yo venir tout m'a rapport porte m'a ouvert pour grande ouvert parce que en tant que businessman c'est pas un bagarre tant pour haïtien après là son business m'a faire son moins droit pour mettre n'importe qui monde lié en dedans depuis monde dans suivre loi business moi il suivre loi town non malgré balle suite qui t'a fait samedi 2 juillet 2022 à cancel de Perfect Place pour Audi Musac un citoyen engagé dit welcome en première victoire t'as pas dit bataille la fini capable dit chaque bataille gagne plusieurs tranches et nous capable dit son bataille qui fait commencer et c'est une étape que nous franchit que si c'est une décision qui sortit bon côté organisateur yo, par rapport avec pression que communauté haïtienne a metté sous yo moins salue décision yo mais équipe là était solide nous était solidaire et pour première tranche bataille là que censé que nous gagnions et nous a toujours été mobilisé pour quel que soit sac si t'a gon on virement qui t'a fait pour que mobilisation était solide et tant qu'on dit c'est en première tranche ne pas considérer comme une victoire. Fred Fontaine, qui est propriétaire de Perfect Place dans Ville-Brockton, fait qu'on a une décision pour Bali pas faite dans The Perfect Place, si on buge une décision, ce n'est pas pression qui est au Bali. Si je me quitte de jouer, ou pas voter moins,
Non, moi-même pas proposition ça. Pas proposition ça. Encore, je répète mon yo, son business décision lié. Pas rien, qu'un cours qui revoit avec politique. Plusieurs citoyens engagés dans l'État Massachusetts là, te voyons les tout l'ouvri par le magistrat Vilbocton Nord, qui c'est Robert Sullivan, pour mander pour ne pas quitter Bal Sutmi qui a fait dans la date 10 juillet 2022 dans la Cobocton. Pour côté Jifner Saint-Jean, nos activistes politiques, l'été Bal ça comme une insulte, l'épave de Vilbocton tout en refuge pour Michel Martelly. En tant que monde qui a décapé en face, qui a défendu le pays, qui a défendu la population haïtienne, nous, c'est une insulte. Et les villes panouans qui sont les villes champions, pour nous, pour nous, pour grand ville, pour tout côté matéli passé, nous mettons le déo, nous crasons Chalbari de Dol, pour nous, c'est là, là, nous venons prendre comme refuge pour nous mener là, dans le Bocton, dans tout le temps, et bien ça insulte nous-mêmes qui fait politique dans la communauté, nous disons pas exister, et que nous obligés de camper, nous mettons toute force, tout le monde qui fait politique dans la communauté, nous faisons une coalition pour nous mettre tête ensemble. Pour nous, comment qu'on peut empêcher ça continuer à faire dans Bocton. Si pour un pays haïtien, dans la communauté haïtienne, dans la ville Bocton, non, il y a pas de bravo la contentement pour l'annulation Balsila. Pour un pays d'observateur, il prend ses lunettes Feyo, il y a une situation de près. Est-ce que Michel Martelly va jouer Balsa dans notre club, dans l'État, Massachusetts là? Et Rich Dorelas, puis Bocton, Massachusetts, pour la voix de l'Amérique. Voilà, voyons la cruauté des images en performant. Michel Martelly, ancien président et le musicien Sweet Mickey, qui a des difficultés ces jours-ci, Gary, pour jouer plusieurs côtés. Nous regardons même en France, même. Bien qu'en France, et nous pas su de information ça, il paraît que si vous était annulé, bal Michel Martelly, hein, sous réseaux sociaux, on dirait que nous, et on affiche ou bien on vidéo qui t'a pris temps, hein, sous réserve, n'a dit ça, que Michel Martelly est arrivé jouer quand même. Mais c'est tout côté, que c'est en France, que c'est Canada, nous connaissons ça qui est passé Canada, dans la cour New York, tout. Il y a un peu de monde qui campe en quoi Michel Martelly, Sweet Mickey, nous dit pas qu'à jouer dans la zone Sayogari. Bon, nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire rien de ça parce que nous ne sommes pas présents, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas qui est la cause que, il n'a pas dit justement, qui est la cause que Michel Martelly n'a pas joué. Son musicien, les Gondiaz, les Rivets, il y a un public pali, il y a un monde pâle qui remène. Si on a un problème politique, si c'est politique, on met devant. Pour imposer Michel Martelly pas jouer non area que c'est New York que c'est Miami que c'est Canada mais gen moun ki ta remet tan de suite mais qui a yo même est-ce qu'au privé yo pour y aller tan de suite mais qui a moi même m'ta ka di organisateur yo yo ta dwe fè organisateur qui prend responsabilité pour faire balak suite mais qui yo yo ta ka prend responsabilité yo pour yo sécuriser area côté Michel Martelly pour jouer si yo vle faire bal avec Michel Martelly. Mais si vous pas voulez faire balle, pas solliciter Jaza. Valérie. Tout à fait. Tout à fait, Gary. C'est une cause que nous avons suivi de près. Et il y a un argument qui sorti dans différentes démarches que moun qui pas voulez que Sweet Mickey joue. C'est premièrement des propos misogynes, jouer femme, parler femme mal. Et certainement, il y a des questionnements sur les affaires comme Petro Caribéa, politique, mais la donne. La parole, c'est Gary Fouassa pour nous rappeler que c'est. Déjà dans la semaine qui s'est passée là, que BINU, qui c'est Bureau intégré Nations Unies en Haïti, eh ben, l'ONU t'est réuni, et c'est Haïti qui était sous la sélection, qui était sous table là, et t'as décidé si t'as pour renouveler le mandat BINU, donc Nations Unies en Haïti. Un petit rappel de qui ça, mandat ça y est, qui ça le vaut, et qui ça réunion ça te voulait dit pour BINU et pour Haïti, question sécurité, côté que Madame Lalime, avec plusieurs autres mondes, représentant Haïti à Télatour, en l'occurrence le ministre des Affaires étrangères, mais les généristes qui étaient là, les Yotapé parlaient de Haïti justement à la Nations Unies. On rappelle de mandat ça. Bureau intégré Nations Unies en Haïti, BINU, est établi par Conseil Sécurité Nations Unies, dans date 25 juillet 2019, dans la résolution 2476, qui était prise en bas chapitre 6, Constitution Organisation Nations Unies. Mandat BINU en Haïti concentré action li sous deux domaines principaux. Conseiller gouvernement en Haïti pour encourager et renforcer stabilité politique et bon gouvernance, protéger et encourager droit moun. BINU a pour mission tout pour aider gouvernement haïtien dans un rôle consultatif dans effort dans plusieurs domaines. Dialogue avec réforme, professionnalisation la police, réduction violence communautaire avec violence gang, réforme judiciaire, amélioration conditions prison, yo, protection droit moun avec impunité. Mais année passée, dans date qui était vendredi 15 octobre 2021 à 20 minuit, pendant que mandat Bureau intégré Nations Unies en Haïti, BINU, après expiré, Conseil Sécurité Nations Unies était obligé de renouveler. Les États-Unis, qui en général occupaient dossier haïtien dans Nations Unies,
te proposé un prolongement pour une année, mais adoption une résolution dans sens ça pas facile à cause complication dans négociation avec pays la Chine qui était très critique sous mission Binia, il te dit qu'il pas fait rien en Haïti. La Chine t'a déclaré que investissement l'agence ça en Haïti c'est une pète. Beijing t'a demandé pour un renouvellement mandat des Nations Unies pour 6 mois seulement. La Chine t'a gain possibilité pour servir à pouvoir veto li sous renouvellement mandat une année proposé par États-Unis. Mais finalement, yo t'a joint un compromis. Année passée en 2021, Conseil sécurité à l'unanimité t'a adopté résolution 2600 qui t'a présenté par pays Mexique et pays États-Unis pour prolonger mandat Binia jusqu'à 15 juillet 2022 pour 9 mois. Et puis il t'a demandé secrétaire général là pour évaluer mandat Binia après 6 mois. Jodia date renouvellement mission Binia presque arrivée et c'est comme ça nous joint l'ambassadrice pays États-Unis dans Nations Unies Linda Thomas Greenfield qui voit un message sur compte Twitter li pour le dire et m'appli. Bien bonheur Jodia, moi t'ai rencontré à représentant spécial secrétaire général Nations Unies en Haïti, madame Hélène Lanlim pour me discuter sous situation en Haïti avant réunion conseil la semaine ça sous renouvellement mandat Binia cap vini là. Progrès y jan nécessaire pour adresser défi politique, sécurité et humanité que Haïti a fait face. Fin de citation. En général, mission Binia à travers système Nations Unies a travaillé pour porter support à institutions nationales pour améliorer la vie haïtienne en accord avec priorité nationale et agenda pour 2030 pour développement durable qui basé sous priorité et responsabilité totale institution l'État haïtien et il financer 19 agences et fonds l'agent programme équipe pays Nations Unies voté qui pour assistance humanitaire et puis mettre en application programme développement en bas leadership autorité nationale. Selon information nous joignent, Conseil sécurité des Nations Unies a réuni demain dans quartier général Lee dans la cour New York pour commencer discussion sur dossier ça. VOA Creole sous place a suivre pour qui gens ça pral passer. Valerio Saint-Louis pour VOA Creole depuis New York. Voilà, donc VOA Creole sous place et justement dans ce maintenant, il était arrivé présenter souvelé un rapport détaillé de mission Nations Unies en Haïti qui c'est BINU, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Madame la ligne te répond présent. Ministre des Affaires étrangères pays d'Haïti était là tout, nous avons un représentant de la République dominicaine qui était là, certainement l'autre membre et Nations Unies, membre du Conseil de sécurité était là et certainement nous avons un vote qui était pris sous question renouvellement mandat ça. En nous qui j'en satire, réunion était faite, il n'y a pas officiellement sorti avec une décision non, mais apparemment en majorité dans la discussion qui était faite, tout le monde majorité monde qui était là, il a plus penché pour renouveler mandat Nations Unies, mandat Binia nous dit plutôt dans pays d'Haïti et avec un agenda précis. Ceci pour un an, donc pour 12 mois. À nous suivre pour ça encore une fois, VOA Creole qui sous place. Dans le quartier général Nations Unies dans Manhattan, New York, hier jeudi 16 juin, dans une réunion Conseil sécurité aux environs 3h l'après-midi, c'est de Haïti qui a parlé. Dans l'agenda, représentant spécial secrétaire général Nations Unies pour Haïti, Madame Hélène Lanlim, t'a gagné pour le bail rapport et informer Conseil là, sous situation en Haïti. Dans la réunion, ça, ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, M. Jean-Victor Généus, ensemble avec Dr. Arnaud Descartes, qui est directeur exécutif de l'organisation volontariat pour le développement d'Haïti, ensemble avec représentant pays République dominicaine, t'a invité à participer. Hélène Lanlim, t'a dit Conseil sécurité a insécurité et incertitude politique prolongée ensemble avec une situation économique terrible avec besoin humanitaire qui a grandi a empêché un pile développement socio-économique fait dans le pays. Depuis dernier rapport madame la ligne de bail conseil là gangaméo augmenté et contrôle zone métropolitaine Port-au-Prince là vinn pi serré pendant zone influence a agrandi. Il était dit dans mois mai seulement police nationale d'Haïti a rapporté 200 homicides intentionnels avec 198 enlèvements, une moyenne de 7 cas enlèvements par jour. Il parlait tout de zones que bandits ont contrôlé, Cité Soleil, quoi des bouquets avec tabac. Il parlait tout de femmes actives qui particulièrement exposées à violence sexuelle. Représentant spécial a dit tout que PNH a semblé incapable pour régler situation ça à croiper impunité avec actes criminels que bandits a commettre ça qui dangereusement détruit état de droit dans pays. Il était noté que Haïti besoin assistance immédiate pour développer police nationale là. Il demandait pour mettre un fond panier l'argent disponible qui dédié à supporter PNH là et puis aider le résoudre problème que l'a fait face avec lui. Il t'a dit conseil là tout que instabilité grave qui affecte Haïti kounia responsable vacuum institutionnel dans pays a pas gain un parlement qui fonctionnait depuis 2 ans et demi. Il de assassinat président Jovenel Moïse qui gagne presque une année et puis secteur la justice là qui a souffri de une paralysie presque complète. La Lim reconnaît que il est très probable que l'élection qui t'a permettre pays à retourner dans gouvernance démocratique là pas qu'a fait année ça pendant que il souhaitait formation un nouveau conseil électoral provisoire.
représentant spécial a conclu pour le dire, li essentiel pour Haïti rester dans premier plan agenda communauté internationale là. Li te répété, c'est seul haïtien qui gagne clé pour débloquer solution durable dans crise prolongée pays. Li ajouté que BINU a continué encourager toute partie engagée dans construction pays. Plusieurs représentants l'autre pays membres Nations Unies ont pris la parole qui allait dans même sens avec madame Laline. Tous les acteurs politiques doivent s'investir pour bâtir le consensus nécessaire à l'organisation d'élections lorsque les conditions, et notamment de sécurité, seront réunies. Les États-Unis sont prêts à appuyer les efforts de Haïti visant à établir un conseil électoral provisoire inclusif. Les cas de violence sexuelle contre les femmes, les filles et les jeunes hommes sont alarmants. Nous sommes préoccupés par l'escalade des violences perpétrées par les gangs, le kidnapping, les mutilations, l'enlèvement d'enfants. On constate également une augmentation des crimes de nature sexuelle. N'a pas rappelé que pays États-Unis ensemble avec pays Mexique t'a demandé Conseil de sécurité Nations Unies hein, pour renouveler mandat BINU en Haïti pour une période de 12 mois. VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Voilà Gary, BINU qui est censé joindre renouvellement mandat en Haïti. On baga ki an pile observateur a gardé un jan pas trop d'accord, pas trop content. Mais gen l'autre moun ki di avec insécurité ça qu'en Haïti, il semble qu'il y a toujours besoin casque bleu yo BINU yo Nations Unies en Haïti. C'est un débat et justement dans semaine qui vient là, on connaît si effectivement mission renouvelée mais apparemment il est déjà presque arrivé pour le renouveler Gary. Pour le renouveler. Ouais. C'est au même qui t'endant qui t'app suivre. Je crois que les téléspectateurs et téléspectatrices ont édifié, ont gardé. Nous tout à suivre qui sont capables de le faire. Parce que nous n'avons pas que pouvoir pour nous dire non, pour nous dire oui. C'est juste tendre, n'attendre, et puis c'est juste ouais, n'appuie, comment tout le bagage a continué à faire. J'ai été qu'on fait longtemps. Valérie. Tout à fait, Gary. Nous pouvons proposer de nous retourner. Nous pouvons retourner une fois ça, et cette fois-ci, peut-être que si Marc est dit. Toujours branché, il y a un live là. Nous allons saluer et remercier Marc-Édi Pierre qui te permet, pendant que nous étions en mission pour VOA Creole dans Californie, dans l'État Californie, dans la ville Los Angeles, nous te font une rencontre avec la communauté haïtienne dans la zone ça. C'était avec plaisir que nous te joignons collaboration coup de main. Eh bien, Zami, ça, Marc-Édi. C'est Marc-Édi Pierre qui a vécu en Californie depuis quelques années. Ah oui, Marc-Édi, tu réponds présent. Éric Temenona. On propose rapidement. Éric Temenona. Oui, il était aidé. Temenona New Look là. Nous étions disciples. Mais nous avons des disciples qui ont joué. Vous pouvez m'appeler, dit lui-même. Il y a des fêtes, des balles. Caméra toujours branchée. Caméra toujours branchée. Toujours branchée. Il était impayable, vraiment impayable. Nous pouvons tourner pour ça tout à l'heure. On propose. Creole American Family Night is back. Sacabolé. Vous avez bien entendu, avec un tabou combo plus en forme que jamais, c'est une simple question de Summer Fun. 22, 23. Bien sûr, pour toute la famille. Bring your dancing shoes and a folding chair. Pour mieux absorber ce défoulement post-confinement au Eisenhower Park ce dimanche 10 juillet 2022 sur le coup de 6h30 p.m. Haitian American United for Progress. Compa Guide, Nassau County. Signe cette 9e édition. Creole American Family Night. Sponsor Vander Volunteer. 718-949-7772. 718-527-3776. Admission gratuite. Be there or be square. Haïtien New York yo, nou gen supermarket pa nou. Cambrian Meat and Seafood Market. Yon supermarket 100% haïtien. Cambrian Meat and Seafood Market, owned and operated by a group of Haitian entrepreneurs. La, nan 229-26 Linden Boulevard nan Cambria Heights, yo vend en gros et en détail. A Cambrian Meat and Seafood Market, le supermarché haïtien, vous trouvez toute une variété de produits de charcuterie, volaille, boucherie, fromage, fruits et légumes, poissonnerie, yon série de bel poisson tout frais. N'a joine bon bien quantité pendant toute saison yo à bon prix. Cambrian Meat and Seafood Market a bay gros spécial discount rabais à tout restaurant haïtien. Et y a pour free tout service livraison à client qui a acheté produit yo en quantité. Dans Cambrian Meat and Seafood Market, ou a joine toute qualité produit haïtien servi avec yo. Diri Grand Pampan, Petit Mi, Lalo, Arancel, Aranso, Jonjon, Tritri, Bertie Malice, Burly Lee, Let Greenland, tout cola haïtien yo. Passez vin fait market ou dans Cambrian Meat and Seafood Market qui dans 229-26 dans Linden Boulevard.
dans Cambria Heights, yo ouvert du lundi au samedi de 8h du matin à 8h du soir. Le dimanche de 8h du matin à 6h du soir. Yo accepté EBT Card, Food Stamp avec toute l'autre crédit card. Téléphone 718-977-1011. Cambria Meat and Seafood Market, c'est supermarket pas nous dans New York. Lorsque vous vivez aux États-Unis, il est important pour gagner contact compagnie qui toujours bay job et qui paye bon petit cob. Selon recherche en pile monde fait dans sens ça, quality service c'est meilleur. De Miami, j'ai une information ici qui dit qu'il y a bon activité ici, venir. As you can see, my Asian people, they are like always good to work with. I have a good team. Les hôtels là sont bon bagage. Bel hôtel, bien propre, ouvert, ouais ça doit en faire d'où. Quality Service a dirigé un pile gros l'hôtel à casino aux États-Unis. Ils ont toujours besoin un pile monde pour travailler dans un pile domaine, tant que dishwashing, housekeeping, sécurité et la trier. Moi, c'est Michelin Nestor, PDG Quality Service Companies. 10 ans de cela, moi créé compagnie ça pour m'aider Haïtiens à plusieurs autres nations jeunes travail. Pendant période ça, plus passé 10 000 monde jeunes travail dans hôtel à casino. Casino dans plus que 15 États aux États-Unis et en Haïti. Jodi a nous gain 6 compagnies dans plusieurs domaines. Optimal Staffing Services, Quality Service Hospitality, Quality Service Residential, Seco Facility, Seco Univers Construction et Seco Sécurité. Quel monde qui travaille dans Quality Service toujours content parce qu'il joue un bon traitement. Il y a une possibilité pour vous faire comme en plus dans overtime avec pour bon service au bail. Moi, c'est Marjorie Nestor, senior vice-président Quality Service Companies. Nous pas seulement une compagnie qui baille travail, mais nous prenons soin d'employés. Nous avons un travail pour nous dans l'autre pays, nous baillons dans la caille pour l'été, nous baillons transportation et tout l'autre bénéfice que tout employé supposé joindre. Nous avons contribué dans 401k, nous avons gagné assurance de vie, nous avons assurance de santé. Et nous payer vacances pour nous. Si vous-même vous n'avez pas gagné un travail, nous invitons à venir joindre nous. Porte office nous ouvre chaque jour, de lundi à vendredi, 9h à 5h. Faites-nous confiance, nous gagnons un travail, parce que travail c'est liberté. Vite joindre nous. Quality Service dans plusieurs states, New York, New Jersey, Wisconsin, Colorado, Miami, et divers autres encore. Moi c'est Ralph Dorbens Melchizedek Huissin. Administrateur Seco Sécurité en Haïti. Une force motrice compagnie qui fait nous se meilleur dans affaires service sécurité en Haïti, c'est dynamisme chaque personnel bureau, chaque agent, chaque bodyguard gagné pour yo bay meilleur de eux-mêmes. Je remercie tout le monde qui travaille avec nous pendant toute année ça. C'est nous qui force compagnie. C'est nous qui permettent Quality Service Company arriver côté lié jeudi. Nous n'avons plus grand compagnie qui travaille. Mais contact Quality Service. 305 892 91 56. 305 892 91 56. Gen moun nan office la kounia kap pran apel nou. Ou bien vin nan office Miami Quality Service la nan 11 75 North 125e Street, porte 512 North Miami. Rele 305 892 91 56 pour al travail. Quality Service di a bas chômage, vive travail. Restaurant Good Taste and Catering. Ouvri deuxième location li nan adresse 5919 Latenen Avenue pou desservi yon gros clientèle haïtien ou étrangers qui consomment manger à cuisine haïtien chaque jour bon Dieu mette. Client haïtien ou étranger ak moun ki pat jam goûter manger restaurant Good Taste yo campé en ligne à la fine indienne ap tann tout pa yo pou yo payer manger que yo té choisi a puisque dans Good Taste Restaurant and Catering yo offri yon variété la manger. Yon autre fois encore n'ap di bravo félicitations à entrepreneur businessman haïtien sa yo ki campé derrière restaurant Good Taste and Catering. Vin manger haïtien, vin supporter business haïtien. Une autre fois encore, Team Saint-Louis saute devant une belle caille dans Amityville, Long Island, New York, pour $520,000. Caille a une belle cuisine moderne, 4 chambres à coucher, avec 3 toilettes et puis une finish basement. Jou closing, signature papier caille, Bernadette, client Team Saint-Louis, t'es yes. Content en pile. Vous avez finalement réalisé ça. Oui, nous merci.
Pour ça, je dis bon Dieu merci en premier. Je dis nous, team, non, merci encore. Nous travaillons bien, bagarre pour me complaindre. So, je dis nous merci. Je dis bon Dieu merci pour ça. Bon Dieu béni. Maintenant, les femmes sont formées, nous deux. Oui, oui, oui. Les femmes disent, ben, elles sont si bon tout. Ouais, sac Bernadette, lui Bernadette, lunette, lunette Bernadette. Dis-nous merci. Merci, m'apprécie ça. Moi, nous en pile. C'est bien. Nous dépassons ça avec moi. Bon Dieu béni, nous voulons continuer béni. Nous vraiment intelligents, nous voulons nous focus pour nous dans le cas. Et nous avons patience avec nous en pile. Oui. So, c'est ça que fait un monde qui te référé à nous. Sur les matrés, nous avons tous nos familles. Nous avons patience avec moi. À tout le monde, nous avons patience avec nous. Je m'apprécie ça, je m'aime ça. Je dis bon Dieu merci. Merci, merci, bon Dieu, remettons ça. Et bien là, depuis le monde, tout le monde a référé à nous. Oh, oui, oui. Nous avons besoin de nous. Nous avons besoin de Tim Sen. Tim Sen, nous avons travaillé. Je commence à faire mon boulot. Oh, very nice, very nice. Bernadette, bonne chance. Eh? Merci. Congratulations. Merci. 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 Barbara et Valerio Saint-Louis, deux agents immobiliers, New York State Licensed Real Estate Advisors. Ils travaillent dur pour permettre communauté haïtienne avancer dans affaires real estate dans la cour New York. Et en même temps, permettre chaque grain haïtien qui est capable réaliser rêve ça. Ils possèdent une belle caille ici aux États-Unis. The American Dream is very possible with Team Saint-Louis. Pas oublier, contactez Team Saint-Louis. Barbara Saint-Louis, 516-805-2318. Valerio Saint-Louis, 516-805-5410. Team Saint-Louis. Abonnez-vous à la page YouTube Téléimage. Si vous regardez nous sur écran ordinateur, cliquez sur le bouton abonner ou soit subscribe. Après ça, cliquez sur photo petit clocher pour rejoindre toutes nouvelles dernières vidéos et émissions que nous avons gagnées pour poster. Si vous regardez nous sur téléphone, vous faites même genre, cliquez sur le bouton abonner ou bien subscribe. Nous gens pour rester connectés avec Téléimage. Voilà, restez connecté avec Téléimage, restez connecté tout avec Team Saint-Louis. Team Saint-Louis qui a travaillé là sérieusement d'arrache-pied. Franchement, moi, bas crédit, moi, j'ai retiré chapeau bien bas. Et devant CEO Team Saint-Louis, hein, Barbara Saint-Louis qui a fait un travail extraordinaire. Hier, Gary, moi, j'étais à le présenter en soirée, c'est ton mariage. Et dans le mariage, j'ai rencontré des compatriotes haïtiens qui étaient venus féliciter pour justement Barbara Saint-Louis, dans Team Saint-Louis, qui tellement bas service là avec. Avec Jean Carré, avec sourire, li, c'est plaisant de la travail, parce que les remets en pile. Et bon, avec monsieur Antetim, il a dit, mes amis, il y a une famille qui joue nous caille, c'est Baba qui fait jouer nous caille là, la famille est tellement content. Et il a répété, même sur les dames, dans ce répété là, c'est comme si Baba a tapé chercher caille là, pour tête pâle, c'est comme ça, nous, dans Team Saint-Louis. Nous, on belle caille, que nous-mêmes, nous avons habité là, nous avons acheté, c'est nous-mêmes qui avons acheté caille ça. C'est le genre de service ça, que je justement. Que je joue. Justement, même dans la parfumerie voilà. De Barbara tout le vini, c'est même à cœur là où je viens. C'est ça qui fait avant mon déplacer le fin acheté, lui expliquer le parle avec Barbara, lui jeune au monde pour le défouler, lui parle ensemble avec moi. C'est ça qui est important, m'a suivre dans la parfumerie de Barbara. Et il y a des grands pile fait oui et Valerio et nous a dit ça parce oui, que parlé de ça. Et hier on connaît bien plusieurs et madame qui était mené Mario et al danser pour fête des pères et grand pile monde n'était là tout yo te menem moi-même et on t'a danser pas messenger yo menem al danser gars oui yo menem al danser hier soir al vini al relaxou parce que travail trop ou occupé ti moun yo vraiment vrai ou fait tout à fort bien. Et on était passé test là pendant l'année. Ouais, et yo menem danser. On dal danser compas Messenger de Alix Jacques dans l'Antillaise. C'est une belle fête parce que c'était deux Diaz qui t'a joué. Mon cher Valerio, pendant nous sommes parlé ensemble avec Fabrice Souzia et mon cher ça t'étonne
pour m'ap gade Kubano kap joué nan Skacha, parce que c'était Compa Messenger et puis Skacha. Le Skacha, le Kubano monte sous Stedja. Voix Kubano que m'te konne le m'te depuis tout petit ya, c'est même voix ça, Valerio, qui rete derrière musicien, qui rete devant musicien, qui t'a joué ensemble avec Valerio. C'est ton bel bagay. Ya, c'est ton plaisir nous te prend pour nous te passons en superbe soirée à minuit et jazz la campé et puis on dit tout le monde happy Father's Day. On pas besoin de dire mesdames yo yo en l'air parce que yo t'a dit Mario bonne fête des pères. C'était l'antillaise. Jazz crie les compas Messenger Valerio depuis mon t'a voulu book jazz ça parce que le prêt pour book Alex toujours là Alex Jacques depuis prêt pour book jazz là relé 305 803 34 27. Mandé pour Christian fils book jazz ça parce que joindre le ou ailleurs jazz ça pour jouer pour Valerio. Waouh, ça c'est bien. Un bel bagage parce que là, nous imaginons, nous, surtout dans le contexte Fête des Pères, prélude à Fête des Pères, là, on jazz comme ça, et puis nous, ambiance classique dans la Tillaise. Donc, on parle Messenger, mais vraiment jazz, là, parce que déjà, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est des messagers du compas, et on joint à côté de messagers, on joint de Godfather, le parrain du compas direct. Jean-Élie Telfort Kubano. Et Gary qui était quand même, on le dit le choubou, mais Kubano, il semble c'est aussi l'éternel jeune. Voix arrêtée jeune, ouais, visage en Kubano quand même se porte bien. Voix arrêtée solide, solide, solide. Oui, même genre, même bagage. Même genre. Très bien. Donc, je souhaite que nous avons Kubano. Une autre fois dans la Cour New York, parce que je connais que lui n'est pas dans la zone encore, mais il fait va-et-vient, il est toujours là pour le présenter. Oui, il fait va-et-vient. Talent, il pour continuer à jouer. Bah non, c'est un monde qui traverse les générations finalement. Jean-Élie Telfort. Ouais. Bravo pour ça. Donc, Gary, ou amuse-toi, c'est bien. C'est des bien fêté. Oui, mais c'est sérieusement. Bien fêté. C'est bien ça. Bien. That's nice. That's good to know. Donc, on s'en a, nous jeunes des mondes qui ont salué nous. Justement, Happy Father's Day. Merci à Maggie, Jérémy. Bonsoir, Maggie. Merci. Maggie, Jérémy, nous content. Merci, Maggie. Well, Happy Father's Day, Gary. Et Linda Lafalaise, tout, que nous avons salué. Bon travail, Valérie et Gary. Happy Father's Day. Et puis, merci, du côté de merci. Page Téléimage, là, Mamie Gladys qui demande pour Barbara. Bonsoir, Valérie. Bonsoir, Gary. Mes content amis. De vous voir ce soir. Où est Barbara? Merci. Barbara nous dit déjà, Barbara en congé, Barbara fêté. Barbara, c'est vous, Lolo. Et on a vu Barbara avec sa jolie robe haïtienne. Barbara qui dit même mes belles carabées là, en haïtienne, elle a fêté. Elle continue à fêter, il faut dire. Surtout que fête la rencontre avec Fête des Pères. Regardez-nous, c'est double fête pour Barbara, n'est-ce pas? Barbara qui, encore une fois, on dit, on fait des vœux de joyeux anniversaire. Barbara qui rajeunit, regardez, encore une fois, cette jeune fille de 22 ans, t'es quand même 22 ans? 22 ans, pourquoi pas? À peu près. 22 ans. À peu près. À peu près. Elle reste jeune de cœur. Barbara qui, elle a fait ces jours-ci, il faut mal garder. Sous quoi faisait, à qui produit l'a servi, parce que c'est ça net. Vous regardez le visage radieux de Barbara. Enfin, il semble que ma bien là. Il est tellement content. Il dit ça dans le texte que le voyait pas d'or par là. Ben, ma bien travaillé. En tant que CEO de la parfumerie, CEO téléimage, CEO Team Saint-Louis. Et il sentit tellement content pour service la baille. Ça fait nous plaisir, c'est ça qui fait nous-mêmes là pour encourager pour nous qu'on figure nos jeunes tout. Vous comprenez? Parce que nous-mêmes, on connaît Valérie, nous ne pouvons pas quitter pour nous passer sous nous comme ça, et aller comme ça. Nous avons été jeunes tout pour nous camper contre Barbara, pour nous aider, pour nous encourager. Parce que le service là, Bayo, c'est service sans pareil. Tout à fait. À nos gars, vous faites tout soir et à danser avant hier, donc. Et où son jeune garçon qui quand même capable de continuer Kembe ou 3 heures, 4 heures de temps à danser pendant toute une nuit. Non, parce que Gary s'est amusé. Ouais. Copieusement. Nous avons dégagé. On va arriver cette fois-ci dans Californie, rapidement, en aller. Marquezi Pierre qui nous a beaucoup aidé, ça m'a voulu là officiellement remercier le coup de chapeau à Marquezi Pierre qui t'a montré quand même que de Accent Magazine
à Los Angeles, Californie en 2022. Pas de différence, nous rencontrer, c'est comme si c'était hier, nous ensemble. Ça te fait vraiment grand plaisir pour rencontrer Marc Edipierre, qui conduit 2 heures de temps venir rencontrer nous, et qui conduit 3 heures de temps, mener nous dans San Diego, dans Bal Disciple. Merci pour ça, Marc Edipierre. Nous sommes arrivés dans le contexte, une mission que nous avons fait pour VOA Creole, nous avons découvert justement le sommet des Amériques. Nous avons quand même l'opportunité de garder pour nous qui côté communauté haïtienne et qui genre communauté haïtienne a bougé dans Californie, dans Los Angeles, et Talon Balwe, dans zone San Diego tout. À nous suivre au portage, nous parlons de quelques images, surtout Bal Disciple, nous parlons de quelques images, tout à l'heure comme ça. Merci encore une fois à Marc Edipierre. VOA Creole, donc tu es sous place dans Los Angeles, Californie. Pendant que le 9e sommet des Américains a déroulé dans la ville Los Angeles, dans l'État Californie aux États-Unis, VOA Creole t'est intéressé à comprendre qui côté communauté haïtienne est dans Californie. Nous te prenons la rue pour nous chercher côté haïtien. Oui, il y a une communauté haïtienne, mais nous presque pas, parce que Californie est grand et puis il y a chaque monde fait. Bon, pas, yo dim nan Los Angeles gen an pile haïtien, mais nan zone côté Mia Lancaster, c'est nous même seul comme haïtien. Oui, c'est vrai, Californie son état qui grand en pile et nan marché chercher, nous t'ai atterri nan ville San Diego. Côté que communauté haïtienne nan zone ça a grandi en pile. Nous t'ai remarqué ça nan quantité moun que nous t'ai joine nan yon bal qui t'ai organisé avec Jazz Disciple avec Gazman Couleur nan ville San Diego. San Diego son communauté qui fait cap développer. À cause de tout haïtien yo qui sorti Mexico, Brésil qui vini là et nous vraiment content parce que avant communauté a pas tant pile son couliage son que chance ta fin jouer nous gen ka faire nous interview même quand dans state California San Diego c'est zone qui gen plus haïtien d'après expérience nous fait nous gen 3 ans California dans l'armée le moun yo traverser Tijuana yo vinn là yo sorti LA yo vinn là c'est parce que là c'est un coup yo centre pour réunir haïtien yo 80% 90% monde là est sorti dans en Amérique du Sud. OK, que ce soit Chili, Brésil, Argentine, et puis au fini, il y a cherché un demi meilleur. Je traverse les frontières, je viens faire asile. Quand ville qui était dans condition difficile, j'en nous te connais en Haïti parce que Haïti vraiment terrible. Mon est sorti, il y a cherché un demi meilleur et puis il atterri, il était San Diego. Dans la recherche que nous avons fait, nous remarquons que en pile haïtien ça, c'est immigrant qui prend gros risque, fait gros sacrifice. Pour rentrer vivre ici dans Californie. Même Jean Akosmen qui voyageait plusieurs pays pour arriver à Californie. Trajet pas facile du tout. Vin jeune l'aime te vin rivon l'en enfragé à Marie te vin malade. Si bon Dieu pas camper avec, il était quand même mourir, il était quand même rester en barrage parce que mon petit 4 ans même, l'elle vin malade, il pas capot de valise, il pas capot de bébé, c'est moi qui fait 3 jours. Après la soudome. M'a porté. Maman Ousmane lui-même t'a fait voyage là dans bateau pour arriver à Californie. Dans l'époque en pile monde t'a prend canteur. Ah oui, bon moi ici depuis 79 les monde t'a prend canteur, même c'est une dans canteur. C'est qui t'ai traversé dans bouche requin, c'est bon Dieu qui m'était bon ici. Même c'est une pour moi me deviner dans canteur, me dès qui ton petit bébé 2 ans. Pour que j'en paye un terrain, moi, parti, me dit pour me besoin de la vie meilleure pour petite moi. Que c'est pas route là, ou soit pas bateau, pas l'en mer, Californie, c'est un état qui recevoir en pile haïtien. Californie, basically, son step pour immigrants, qui fait pour immigrants. La majorité monde qui la donne, c'est immigrants. Et par rapport avec haïtien qui l'a déjà, yo, et ça qui a venu, l'un accueille l'autre. Valerio Saint-Louis, depuis Los Angeles, pour VOA Creole. Voilà, c'est ton plaisir pour nous aller en mission pour VOA Creole et découvrir que gagne une communauté haïtienne Gary qui vraiment a grandi dans Californie, dans Los Angeles, dans San Diego, dans plusieurs autres villes. Californie, je nous vois, son gros état est chargé haïtien dans zone ça. Ouais, c'est pour ça, Gary, nous t'es tout rencontré. Vas-y, Gary. Non, mais parler. On met à l'évaluer. Oui, nous t'ai rencontré tout, un propriétaire de restaurant haïtien. Il était intéressant pour nous, un restaurant haïtien qui l'ouvre dans mall. Oui, c'est ça. Dans supermarché. Grosse surface. Okay. Et bravo à l'entrepreneur haïtien Sayo, un jeune d'ailleurs, qui lui-même t'a ouvert restaurant dans mall. On a regardé, parce que faut nous voir la gars haïtien Sayo, dans Californie, à travailler. La communauté a évolué, a avancé. Le businessman a investi, il a grandi. C'est un restaurant, par contre, si vous avez un restaurant dans la cour New York. En normal encore en plus. Mais dans Californie, il était possible. On a rencontré un jeune entrepreneur ça.
VOA Creole, nous sous place dans Los Angeles, Californie, pour nous porter un reportage événement ça qu'a fait dans Los Angeles, Californie, qui c'est 9e édition Sommet des Amériques. Mais pendant que nous là, nous mandé tête nous, est-ce que pas gain famille haïtienne dans zone ça? Est-ce que pas gain haïtien dans Los Angeles, Californie? Eh bien, c'est à une distance de 13 km dans machine côté que événement Sommet des Amériques là pour dérouler que nous déplacer vini non zone, non quartier qui relé Panorama City, ville Panorama côté que gagné justement un restaurant haïtien qui relé Natural Food, the best Haitian food in the city. Mele Bobby Robson Salomon. Non de mon là, je vais commencer la caille, saute la caille, je vais dehors. Parce que je vais faire manger la caille, ou bête comme je vais manger, je vais dehors. Je vais commencer à chercher place, je vais chercher place, je vais jouer dans Ghost Kitchen. Ghost Kitchen n'a pas d'avantage, moi. Et je vais faire la jouer, je ne pas tellement connaît côté lié, il y a des difficultés pour jouer. Pour y aller, je vais commencer à tourner à chercher encore. Nan chercher chercher moi vinn jwenn place ça non jwenn en place dans swap meet là les non jwenn place dans swap meet là non swap meet là depuis non fait 1 an dans swap meet là 1 an et demi et puis après 1 an et demi non vinn jwenn dans location nou là. Okay, I have the fish for you and this is your banana and pickles. Restaurant business là va facile ça m'a bon menti c'est en pile nous que en pile difficulté mais on connaît ça bon Dieu voulait pour vous on fait quand même vous comprenez en pile haïtien. Yo pull up, yo very pray, but you toujours venir gens qui sont San Diego, gens qui sont calé bien loin, gens qui même sont Mexico venir pour manger là. Manger à bon, li bon en pile, c'est si bon. Nous aimons manger haïtien, manger ça li go. Oui, on habitué venir manger là déjà. En plus monde dit qu'on a le Mexico pour aller manger haïtien, mais là il y a tourner toujours une difficulté pour tourner back là où venir border so ben là là nous vous êtes venu jeune non là aller à l'angougo jeune gougo jeune tout saute bien côté bien loin qui monde qui conduit 4 temps qui monde qui conduit saute bien loin et puis là venu acheter en pile manger tout yo show their support moving Los Angeles they fait acting avec modeling right then let me California moi ouais moi problème les mal sorti moi tout zanmi moi gien zanmi qui a fait l'autre bagaille vraiment intéressant comprendre ça me venir commencer vin entrer dans faire musique qu'on y a là dans bas faire musique corona vient tomber qu'on y a le corona vient tomber ou pas à partir ou pas à pièce côté ça nous dit que c'est tout le monde qui vient peut-être corona tout le monde vient gain temps pour yo chita pour yo penser pour yo des ça à faire parce qu'on pas gain côté pour aller ça ça moi fait moi chita moi penser avec un plan et puis moi exécuter le forme là. Je ne souhaite pas là Bobby qui se met restaurant ça très occupé à servir client lui pendant que VOA Creole sous place pour 9e sommet des Amériques nous te profiter font petit coup de pied dans restaurant haïtien ça qui lui même tout dans Californie. Valerio Saint-Louis depuis Los Angeles pour VOA Creole. Haïtien évolué sérieusement quel que soit côté oyé Californie Los Angeles yo répond présent. Il y a travail. Il y a travail. Il fait ça au connaît et ouais monsieur Dou en pile monde le vini. Yo pour manger si on monde saute juste Mexico pour venir acheter manger haïtien juste là ça veut dire que gien en pile opportunité son seul bagage nous ta souhaiter nous a souhaité que les politiciens pas l'emmerder pour y parler oh oui c'est diaspora qui veut combien millions fait interfait macaque et pour kembe kobio pour pas bail politiciens gaspiller l'argent tout à fait. Gary, je ne sais pas si vous faites remarque, on parle de thèse, je fais. Mais moi-même, personnellement, je regarde moi si vous êtes d'accord avec moi. C'est Bobby, je suis content de rencontrer Bobby, maître Christophe. Hein? Bobby, ou pas, Bobby, on t'a rappelé Mendel, qui est sur Facebook. Oui, un petit peu. Il est tavlé. Oui, il est tavlé, mais on connaît la position ça. Alors, et bon, je ne suis pas seulement presque tamété l'haïtien, il y a un jet bien long, il y a un drapeau marin en tête, et puis là, il y a un service. Et, mais pour moi, ce n'est pas esprit le fait, et c'est environnement côté lié, parce que il était dans Madeleine, il était dans acteur, etc. Bon, peut-être, et maladie, bon. Covid, là, la cause que il n'est pas jaune. Mm. Et possibilité pour le job dans la salle de guerre. Bon, ça ne va pas dire que. Je ne vais pas dire que le même Jamène Del, non. Je vais parler de look là. Lui un petit il peu. Semblait, Mendel, c'est tout oui, ça seulement. Le petit visage là, etc. Même si j'ai bien frappé côté lié. Même j'ai avec Mendel, qui a bien frappé côté lié à tout lui-même. Voilà. Ouais. Tout à fait. Nous voulons rappeler que belle soirée ça, qui a fait samedi prochain, samedi 25 juin.
Eh bien, écoutez, soirée ça, des tickets en vente, n'a pas rappelé que tickets eux qu'a joindre. Ah, définitivement, gars, on pas capable là, bien accompagné en plus. Ouais. Tickets en vente sous Eventbrite, nous qu'a joindre. Et puis CEO Jazz Enterprise a fait nous connaître que nous capables et non seulement joindre sous Eventbrite, mais nous capables certainement joindre tickets via Zelle, nous capables acheter tickets. Il est important pour nous acheter tickets à l'avance, nous voyons que Balsa, c'est McDonald's qui a fêté 46 ans, et puis Music qui est même tout, a fêté 36 ans, donc 46 dans Melrose Ballroom, un bel, super local. Super. Parce que nous tous, nous avons dans Balsa, donc achetez tickets à l'avance, s'il vous plaît. Donc nous avons fait Zelle, nous avons pris information sur l'écran, et puis en bas live, là, si vous avez mis information tout, pour nous aller sur Eventbrite, nous avons pris pin information pour nous. Parce que nous avons demandé information, donc nous avons fait voilà. So let me pin this here. Here is the information here. Okay, I cannot pin it. En tout cas, Lila. Oh yes, I can. Here we go. Voilà, information là. Nous avons information. Et puis, encore c'est une fois, 36, date là, c'est samedi prochain, oui. C'est 36. Mm-hmm. 36. Ah, 36 08. Ans, musique. On va bailler téléphone, vas-y, Gary. Ça, non, c'est numéro Melrose, Ballroom. Okay, c'est 3608, oui. 33e Street, Long voilà. Island City. En Long bas. Island City, Melrose Ballroom. Et 59 Bridge. Tout à fait. On allait pour nous finir presque, puisque c'est dernier ligne droite nous pour émission ça, qui est une spéciale émission, Fête des Pères. Information, nous garder nous faire nouvelles, nous t'ai parlé un petit peu plus tôt avec Fabrice Ouzier qui devine vraiment informer nous, vraiment interview intéressant, nous apprendre en pile. Je dis avec maestro Fabrice Ouzier justement. Merci pour ça. Donc nous t'ai une super programmation on aller pour nous présenter monsieur Jean-Philippe Beaulieu dans virer que t'as dans Los Angeles. N'a prêté Los Angeles pour nous finir avec Los Angeles. Los Angeles n'a descendre San Diego pour une bonne idée, un preview de bal disciple ça qui était fait dans San Diego. Une communauté haïtienne qui a avancé, promoteur même tout qui a fait belle balle dans la zone ça, des haïtiens, et qui peut être illégal ou pas, mais en tout cas, comparé à San Yo, quel que soit côté de balle, il y a dansé, et c'est disciple qui a dansé, nous parlons de ça, comme ça, c'est Jean-Philippe Beaulieu qui nous a rencontré dans Los Angeles, qui sont monde qui ont 40 ans à vivre Los Angeles, ils ont pile d'expérience, ils ont pile de monde dans la zone là, l'expliquez-nous, Los Angeles, Californie, son bail nous est dans le cinéma, c'est là qu'il y a Hollywood, en pile haïtien dans différents domaines. Surtout dans la question cinéma, dans Hollywood, dans la musique. Haïtien a mené dans la zone ça et Jean-Philippe Beaulieu qu'on a pile dans yo. On nous rencontre Jean-Philippe Beaulieu depuis Los Angeles, Californie. Pendant nous t'étions Los Angeles pour couvrir 9e sommet des Amériques, nous t'étions rencontré avec Jean-Philippe Beaulieu qui habitait là depuis 40 années, qui t'a banou quelques détails et banou histoire communauté haïtienne en Californie. Pour la famille Beaulieu, Raymond et Marie-Thérèse Beaulieu, nous sommes rentrés en Californie en 1977. Toujours t'es gain haïtien Californie depuis les années 50. Dans le nord, Los Angeles et aussi à San Diego. Parce qu'à l'époque, le bastion des Haïtiens était à une cité qu'on appelle Pasadena, Californie. C'est là qu'il y avait tout. Il y avait les familles d'Ougé, les Abraham, les Saliba, de Beverly Hills à San Diego ou bien de San Francisco à ici. Vous avez des avocats, ingénieurs. Les 20 dernières années, c'est là où on a besoin un grand pourcentage d'infirmières. Par exemple, les trois derniers Miss Haiti Universe, moi rencontré avec eux ici. Oui, dans le design, oui, Giovanna Benoît. Vous avez dans les arts, Karine et Pascal Fabius Giancomini, qui ont galerie Lacaille, qui ici depuis plus d'une trentaine d'années. Connu et bien établi, ils sont sous Sunset Boulevard, right there in Beverly Hills. Maintenant, pour les avocats, nous avons pas mal, beaucoup de médecins. Au contraire, Good Samaritan Hospital, il y avait les deux frères Henry. Maintenant, ils sont passés de la vie au trépas. C'est eux-mêmes qui étaient chef Children's Hospital dans les années 80. Il y a son frère, André Henry, qui lui-même, Good Samaritan Hospital, c'est lui qui était CEO. Le pionnier de ma génération, c'est Jimmy Jean-Louis. Jimmy sort en Europe, le salpot co-acteur, il était modèle. Et moi-même, Patrick Salomon, nous étions Bercel. Et il a fait sa route. Au contraire, j'ai été témoin de la route hollywoodienne de Jimmy Jean-Louis. Maintenant, nous avons Bachir Sylvain, HBO et Netflix, il y aurait les Black Summer. Deuxième saison, épisode 5, eh bien, c'est Bachir Sylvain, you know, qui a fait tout l'épisode. Nous avons Martine Jean, avocate, mais qui est
producteur, écrivain qui travaille aussi à Hollywood. Nous avons aussi Dominique Telson. Elle est vice-président and producer for a stud film. Elle a été former head of programming for HBO. Saroj Bertin, elle est ici. Ou bien Ancha Void. Mais pendant la marche là, dans Los Angeles, nous avons rencontré un jeune. Hey, qui est-ce? Regardez, ouais, les haïtiens ici, attendez, mais. Ouais, la marche downtown Los Angeles, qui est-ce nous rencontrer? Des haïtiens. Oui. Qui est-ce lié? L'heure rencontré avec lui, il pas voulait croire que des haïtiens. Et lui-même, il saute Mississippi, il était réfugié, et il est comédien, il fait sa vie. C'est Jean-Yves Haïti Joseph. C'est un acteur avec Million Year. Vive là dans Los Angeles. Valerio Saint-Louis depuis Los Angeles pour VOA Creole. Voilà, les Haïtiens qui, quel que soit côté, il y a vraiment excellé, que c'est dans le domaine musique, cinéma. N'a pas regardé par exemple des séries dans Netflix, dans HBO, il y a Haïtiens acteurs qui ont évolué sérieusement dans le domaine ça. Écoutez, hein, nous ne connaissons pas ces Haïtiens. Oui. Ouais. Je viens de travailler. C'est pour ça. Oui, il y a travail, c'est vrai. Il y a pas de travail là-dedans. Et puis, obligé de venir travailler dans l'autre pays. Mais c'est pour y avoir des zoyaux tout qu'on y a. Pour l'on est venu parler de politique avec eux. Et puis, pour y avoir qui route y a été fait pour y avoir venu là. Que mon n'a fait même route là. Et puis, pour le faire même ça y a été fait, qui fait y a venu là. Pour y avoir gaspillé l'argent. Y a pas une politique. Venir expliquer eux. C'est diaspora que vous avez 250. Diaspora. Qui voulait 3 millions. Nous pas besoin de faire ça encore. That's it. Valérie, on continue de passer jouer à Barre et nous là. Tout à fait. Nous guettons à 11h50. Nous pas quitter jouer à Barre et nous, c'est fête des pères. Il faut que nous avancions. On rappelle tout le monde que samedi prochain, qui côté pour nous y est. Je ne sais pas si on l'a obtenu, on va l'acheter. Si je ne me trompe pas, on va l'acheter en Versace. Si Baba a l'en Versace, avec Gogo, non. On me cherche un l'autre tout on va me acheter un costume. Non mais faut mettre mon pas. Gary ou même tout là moi non, même. Garde ou moi rester à Paris. Mbaille déjà. Hein nous baille ouais. Voilà. En tout cas, on a Paris pour une belle balle ça bizarre. Baba Angele. Samedi Baba Angele est Valérie Baba Angele surprise, ils font surprise parce que si qui va réaliser ces Versace là va le mettre. M'a regardé moi et eh ben on voit ça quoi c'est il était dans website là internet là l'a regardé et puis moi oh non pas étiquette non mal regardé site de mal regardé me tomber son site c'est Versace c'est les Louis Vuitton me dit qui ça de oui regarde les amis ah ben après tout oui. Travail après tout travail, c'est lui qui est là. Oui, non. Nous allons faire relax. C'est un gars bien passé. Non. Hein? Ah, mon cher. Babou, vous voulez monter? We have to. Ok, Jean Bossuet, d'accord. C'est pas son métier. C'est Jean Mété là. D'accord. En tout cas, Jean Bossuet, Naptanoui, même balle là. Samedi prochain, Magnum Ben, musique. Magnum Band. Dès leur premier balbutiement, on avait noté que yo sonnait yon l'autre chant. Magnum Band, c'était et c'est encore la seule différence sur la scène musicale qu'on parle. 46 ans plus tard, ça n'a pas changé. Magnum Band avec Tico et Dadou Pasquette, toujours sonnait bien. Musique, c'est comme une école compas. Nos musiciens, parmi les plus talentueux, ont fait leur meilleure classe au sein de Musique, sous la direction du maestro Fabrice Rouzier. 36 ans plus tard, Musique est classé parmi les plus beaux patrimoines de la musique compas. Avec en mémoire le projet Haïti Troubadou. 46-36, Magnum Band, musique, réunis pour la première fois sur une même scène aux États-Unis d'Amérique par Jazz Enterprise pour un anniversary celebration ce samedi 25 juin. Rendez-vous Melrose Ballroom,
36-08, 33e suite, Long Island City. 46-36, allons bel chiffre papa. Et vive les retrouvailles avec Magnum Ben Music Music et nous les haïtiens de cette génération 80-90 qui aiment le bon compas. Invité spécial, Sud Fond Cap, avec Karel Pedre comme présentateur et l'intermède assuré par DJ Joubert. Door open at 10, showtime at 11. Soyez à l'heure, s'il vous plaît. Nous connaissons depuis ce Jazz Enterprise qui a fait un événement, c'est toujours de la grande classe. Tout bagaille on time. Information et réservation 347-203-2020, 646-302-2926. Voilà, donc nous pas qu'à pas là pour Magnum Man et pour Music Music. On a salué Jafna qui vient chez dans zone Miami, Jafna qui dit que la plane balsa, Jafna a débarqué New York pour venir dans balsa, au bel bal. Pourquoi pas Jafna? Welcome to New York, n'a pas dans balsa et puis tout le monde, on a salué monsieur et madame Dubiton, monsieur et madame Dubiton, vous êtes aussi invités, oui. Monsieur et madame Dubiton, vous êtes invités à cette soirée au bel bal samedi prochain. Avant de finir, Gary, je prends l'occasion pour saluer au nom de Téléimage, toute l'équipe de Téléimage. Je veux saluer Madame Sandra Dominique Lemaire, qui est chef service, service créole dans la Voix d'Amérique, dans VOA Créole, qui a fêté l'anniversaire du jour et jeudi en tout. Elle célèbre son anniversaire aujourd'hui. Bonne fête, happy birthday to Sandra Lemaire, it's her birthday. Donc, et tout le monde qui a fêté autour, Gapine Moun qui a dit Happy Father's Day, tout papa yo. C'est ton émission spéciale tout. Il a fini avec une note pour papa yo. Papa qui yo même est fier que c'est papa. Et je souris parce que Barbara a des grandes émissions. L'émission de Barbara le samedi, il est toujours là. Oui, ça. Bon, hier, j'étais au travail, j'ai dû aller présenter une soirée. C'est ton mariage que je me t'ai présenté. C'est ça qui fait nos pas live avec Barbara. Mais Barbara a des grands sujets spéciaux pour papa yo. Barbara me pense que faut venir sur ça la semaine prochaine. Oui, donc, sujet spécial pour papa yo. Donc, fait le samedi prochain. M'a profité. Maggie, absolue Barbara. Maggie saying a very happy birthday to you, my dear Barbara, and many more. Maggie, qui salue Barbara. Bonsoir, Gary et Valerio, c'est Honora. Et puis, plusieurs autres qui ont réagi. Michel, bonsoir, Michel. Jean Elifis, n'a pas salué tout. Chandler Paul, tout le monde qui branche, mes amis, n'a pas salué tout le monde. Nous sommes prêts à aller, le n'a pas barré nous. Et puis nous prenons le fini, Gary. Ma petite Audi, le dernier mot. Pour nous finir avec son Japon dit Marc, il dit merci en pilou. Marc, il dit à la caméra qui t'a aidé à me faire reporter ça. Nous prenons l'entrée dans le dernier. Et notre musical que nous avons gagné pour vous. Nous te font arriver San Diego pendant que nous avons fait un reportage. Et nous avons vu que la communauté haïtienne a évolué dans San Diego. Nous prenons le fini comme ça sous notre ça avec le groupe Disciple. Voilà. Donc, Gary, bah, c'est que travail accompli. Bah, c'est que encore une fois, Mabdio. Bonne fête des pères, Father's Day, Gary. On connaît que ou bien fêté comme papa. Et m'a profité dit Happy Father's Day to my son, Emric, Altidor, Ricky, papa 3. Deux filles, un garçon. Alors petite moi. Ouais. Ça c'est bien. Kembela, ou bien travail, mes compliments pour suivre papa. Nous venons ici. Nous pas venir jouer, nous continuer à faire ça pour nous faire. Et li gagnon un premier petit lire qui presque docteur là parce que c'est ça le vle à wow, faire. C'est bien ça. Et Kembela Ricky Palagé ou même avec madame mon darling n'a Kembé m'avait nous quel que soit le a depuis qu'on difficulté relé papi. All right, bonne fête. That's happy nice. Happy Happy Father's Day. Happy Father's Day, Ricky. Yes, bonne fête de père. Yes. Ouais, ça, c'est bien ça, Gary. Ou ka, comme papa, ou fier de ça que petit ou réalisé dans la ville. Et voilà que l'Igue progéniture Pali, qui c'est petit Pali, qui lui-même tout a fait fierté. Doublement fier, well done. Comme papa et puis grand-pa. Yes, bravo pour ça. Bravo encore une fois. Voilà, merci, messieurs, dames, bonne fête de père à tout le monde. Nous dit messieurs, dames, parce que y a une femme qui papa tout. Nous te font parler de ça avec Fabrice Rouzier qui t'est pointé du doigt, Valérie, pas oublier mesdames, femmes, papa yo. Mesdames yo. Il y a pile femme qui c'est pour Tommy Tayo, yo joué deux rôles yo. Ni papa, ni maman. Et quant à nous même messieurs qui pas prend responsabilité papa nous, qui la grand petit depuis qui jeté nous, à nous même, bah, c'est que
Et bonne fête des pères, c'est pour nous tous, parce que nous avons petit, c'est vrai. Mais ou pas papa, ou pas ou père de famille, ou pas même bon, ou son garçon, mon bon papa. Parce que tout simplement, non, responsabilité dit, papa, c'est occuper petit lui. Certainement, c'est pas faire petit là qu'il faut papa. Définitivement. Occuper petit monde là. Et aider maman à tout, pourquoi pas. Aider maman à lever petit monde là. Je pense que la société a dépend de famille. Société a venu au pays commencer dans le foyer, dans le noyau familial. Là. Donc, son papa ou son mauvais papa ou bat madame ou maltraiter Timon ou guider Timon ou pas occuper yo, imaginons qui sa société a devenu. Donc, on fait attention à qui gens que n'a levé Timon pour demain ou pas banou, résultat ça. Et puis en plus, pour nous finir, vous ne pas faire toi prêche, c'est pas prêcher, n'a prêcher. Mes amis, son responsabilité liée. Prends responsabilité nous-mêmes, messieurs, de nous guider Timon que n'a fait avec mesdames, quelle que soit condition, quelle que soit sa dame dans tes cafés. Que le bon, que le pas de bon, nous c'est papa Timoun ça. Et puis, relation à Timoun n'a pas grand boulot avec dame, non. En sérieux, messieurs. Donc, c'est à bon, on oui. Salut, messieurs, encore une fois. Bonne fête des pères. Voilà, gars, on termine encore une fois. En souhaitant un joyeux anniversaire à Barbara, qui doit continuer à fêter. Bah, elle finit oui. Fêter, fête la folle finie. À ce elle continue demain toujours. Okay. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Mami Gladys. Okay. Bonsoir tout le monde qui était branché, yo. Et puis, Gary, rendez-vous samedi prochain dans Melrose Ballroom. Dans Melrose Ballroom, yes. Justement. Là. C'est ça. Magnum Ben, et puis Music Music. Mais dans le moment, on a fini avec Disciple qui t'a joué dans San Diego, Californie. Marquisi Soula, ou a certainement rappelé de bons moments avec une dépassée. Merci encore une fois pour coup de main ça, Marquisi Pierre. Bonsoir tout le monde. Happy birthday, happy Father's Day, il faut dire. À Marquisi Pierre, happy birthday à tout le monde qui t'a célébré fête, Barbara, Sandra et toutes les autres. N'est-ce pas, Gary? Bonsoir, Gary. Ouais. Bonsoir, Valéo. Bonsoir à tous. Avec nous. Qui côté nous sorti pour nous là? Oh, moi-même, je suis sorti à Gonaïve. Moi, c'est pour Gonaïve. Je vis à San Diego about 10 years ago. Ok, nous vivons à San Diego. Yeah. C'est leur été, c'est leur travail. Oh, c'est la caille, moi. C'est la mouette. Parlez-nous de communauté San Diego. On va faire des vues à déranger, ma madame. Parlez-nous de communauté San Diego. San Diego sont une communauté qui fait cap développer à cause de tout haïtien yo que moi-même moi travaille avec eux éventuellement qui sont du Mexique, au Brésil qui viennent là et nous vraiment contents parce que avant communauté à pas en pile sont couliers sont nous qui chassent à venir jouer nous qui on a fait une interview donc moi content et ça fait plaisir donc c'est mon dieu continue à rentrer c'est moi qui Biden qui va rentrer donc bon pose une question moun qui là et moun qui viennent légalement qui sont du Mexique qui viennent illégal. Ouais, c'est pas tout qui vient illégal. Il y a des gens qui sont dans l'autre zone qui m'ouvrent là. Parce que San Diego, Californie, il y a une opportunité. Il y a des gens qui sont dans l'autre zone qui l'a tout. Qui opportunité qu'il y a pour Haïtiens ici à San Diego? Well, so, vous connaissez Californie, pour les gens qui
rentré qui pa gen papier au California ba yo pile opportunité yo paye kay pou yo yo ba yo l'argent pou yo paye manger yo voye yo l'école yo ba yo déker pou yo émanciper dans pays hein so yo gen opportunité pou yo voyager yo aller et puis ensuite de ça yo gen ka travail yo yo ka voler dans propre sel yo so c'est pibon state pibon koto ka vini si ou a rentré par fortier Mexique. So San Diego is the best, so you guys welcome to San Diego. That's nice. Okay, qui nous, qui joue là? Oh, moi-même, le Wences, la paix. Okay. Qui joue expliquer tout haïtien qui l'a assuré là? C'est pour d'ici ou bien c'est juste parce que vous venez en bien? Oh, c'est pour les deux, parce que nous pas vraiment jouer ça. So, moi, pour ce quatrième programme qui est là, nous avons Richel, nous avons Tony Mix, ensuite nous avons Kai, c'était Los Angeles. So, des fois, nous continuons juste Los Angeles, you know, guys, on a l'autre programme. So, we are very happy tonight that he's here. You have this same. So, vous avez dit que HMI a commencé à grandir dans la zone ça? Oh, yes. So, nous besoin plus pour notre communauté à toujours, so que pour qu'on puisse grandir. Mais Jean avec Cadillac Devin là, il était fort pour pas. So, mes gars, maintenant, on va aller full. So, bagaille que nous pas vraiment jouer là. So, we are very pleased, you guys. Yeah. Ok, moi, son coup, mesdames qui là, nous venons pour compte, mesdames, ou bien nous venons pour compte? I got it. Yeah. But you know what? God has given them all. Yeah. Enjoy it. En pile moun la soya pour disciples, d'abord, m'a étonné la quantité de moun sa yo la soya. Qui côté moun yo sorti d'après vous? Bon, tout le monde qui la ou, c'est Fanatic Gazman. Moi même, personnellement, je sorti New York parce que moi jaza, m'pe avion, vin la. M'sorti New York pour vin la? Yeah, m'sorti New York, vin la. Jaza et jaza. Fanatic Gazman. M'sorti fan Gazman goulé. Yeah. Et ou vin avec deux trois moun la, côté moun yo sorti yo même? Vin avec deux cousins la tout. Côté yo sorti yo même? Lè yo sorti New York avec moi. Yo sorti New York avec ou vin juste là? Yeah. Parce que demain matin bonnet, nous allons. C'est pour balle la semaine, venir nous payer ticket à Mounmila. Yeah, pour balle la semaine, demain matin bonnet, nous allons. Et qui vous expliquer quand c'était Mounsa là, ce soir? Bon, tout le monde sait aussi, même avec tout, il y a des gens qui étaient San Diego. So, il y a des gens qui sont de Floride, moi-même, je suis de New York. Et spécialement, et pour balle la mine. Bon bagaille, fanatique d'ici. Bon bagaille, n'est-ce pas? Je vais accueillir un jour, merci un pile. En fait, il y a une dame, nous avons une dame là, qui est bien belle à ce là. Mesdames, bébé la soirée là, mesdames, font-il parler avec nous, mesdames, à la soirée là, nous venons disciples. Mesdames, pas courir, comment mesdames, belle mesdames, fashion moi yo. Ah, mesdames, courir. Eh bien, bon, mesdames, pas parler, mesdames, belle mesdames, fashion moi yo. Qui vient nous y assurer là? Nous en forme. Qui peut nous sortir pour nous dans la balle? Ah, moi, c'est San Diego. Nous, San Diego. Donc, c'est Haïtien qui vit San Diego. Ah, en pile. En pile Haïtien dans la zone là. Oui. Et à souhaiter spécialement nous pour disciples. Ah, vous êtes en forme, nous très contents de nous ici parce que les disciples sont satisfaits. Nous allons attendre pour nous faire des disciples qui sont zéro. Nous venons pour contre nous. Oui, pour contre nous. Oui, oui. Merci. Ça est Charles Luga. Ça est Charles Mann. Qui côté est même? Moi-même San Diego. San Diego est Dia San Diego. Yeah, San Diego. Un bon disciple San Diego. Yeah. Ça fait que tout le monde ça là sur. Yeah, ça fait tout le monde ça là sur là. Le gars sur la bien amusé. L'autre point a bien new look. Après ça on a bien équipe. Dans la communauté San Diego a commencé gros. On a fait plus bagaille dans film là. Parlez-nous de la communauté San Diego. Parlez-nous de la communauté. Qui dans la marche? On se bat pour avoir ici au Cap sorti Mexique. Et Chili, Brésil, quand ils savent parce que je ne vais pas être au bon site là.
nous commençons. Parce que c'est nous, staff, qui commençons à faire le programme. Donc, à ce moment-là, il y a plein de monde qui sont au Mexique, qui sont au San Diego, qui sont au Tijuana. Tijuana qui est là, San Diego là actuellement. Donc, pour nous, est-ce que c'est un monde qui est venu là, c'est un monde qui est légal, c'est un monde qui est venu normal? Non, c'est un monde qui est sorti Chili, Brésil. C'est pas du tout pour les gars. Merci en ville. Que nous rencontrons à ce moment-là qui vient d'un discipline, un bel sourire, belle rade, you looking beautiful. La frontière, c'est pas les créoles ou pas les créoles? Oui, pas les créoles, mais langue moins lourde. Langue lourde, moi, haïtienne 100%. Oui, oui. Ok, qui compte au sorti pour venir là? Sorti à Philadelphie. Philadelphie pour venir là? Pour qui ça, disciple qui mène là? Non, travail, même pour les disciples à performer, sont décidés pour venir. Très bien. Qui j'ai ambiance là, ce soir? Vraiment belle, belle en ville, tout le monde belle, tout le monde amie. Moi, un pile haïtien déplacé sorti à Souya, c'est d'habitude ça, un pile haïtien sorti bon ici? Non, pas vraiment ouais ça. So, je suis content pour un pile moun haïtien qui sorti pour venir d'ici, pour enjoy peut-être yo. C'est d'ici qui font sorti pour contour ou accompagner certaines? Non, je suis venu avec Zamim, yo là tout. Nous te voyager pour venir. Nous voyager pour venir là. Donc ça veut dire que son long voyage. Philadelphie avec Boïsia, son long voyage. Sac pour ville là. Je viens là pour travailler, mais je connais. Oui, mais je connais d'ici pas pour moi aujourd'hui. Quel genre de travail qu'on fait, c'est gamin? Non, Californie, mais Lyon, Tijon, loin de là. Los Angeles. Los Angeles. Ok. So I'll enjoy. Oui, merci. Émission Téléimage ça a été patronné par Embryo Meat and Seafood Market, un supermarket 100% haïtien qui vend tout produit la caille. Bon Jean du riz grand-papa, tout produit grand-papa. La lo n'a pas joué lambi pendant toute année à toute saison.
yo gen yon spécial deal pour tout restaurant, spécialement restaurant haïtien yo. Yo fait delivery et puis yo vend nous en gros à bon prix. Grele Cambria Meats and Seafood Market dans 718 977 1011. Yo gon spécial pour tout restaurant haïtien yo. Cambria Meat and Seafood Market. Big Apple Urgent Care. Excellent care from medical professionals who care and listen. Big Apple Urgent Care, 3805 Church Avenue in Brooklyn, New York. Telephone 718-287-0616. Also brought to you by... Et les Ecosécurité, 305-892-0680. Ecosécurité, c'est une compagnie sécurité moderne qui a des agents de sécurité bien formés, spécialisés dans défense et protection VIP, dans foule, dans situation difficile et zone hostile. Bodyguard, gardiennage, Ecosécurité à Bausa. Sécurité dirigé par Maître Michel Nestor. Also brought to you by Hope, Haitian American United for Progress. Hope cap servi communauté depuis année 1975. Dans Hope, vous joignez tout service communautaire pour Tigre Mounouyo. Service garderie, service immigration, classe ISL. Relay Hope dans 718-527-3776. Vous avez deux offices, une dans Queens, une dans Brooklyn. Hope, 718-527-3776. Also brought to you by Beau Café, best Caribbean cafe and food. Beau Café, 557 Grove Street in Irvington, New Jersey. Telephone 973-399-1699. Also brought to you by Belle Image Graphics, 516-292-4400. For all your marketing, printing and graphic designs, Belle Image International Group. Think big and dial 516-292-4400 or 516-399-0244 on WhatsApp. Belle Image Graphics, 479 Hempstead Turnpike in Elmont, New York. Also brought to you by Good Taste Restaurant in Flatlands, Brooklyn. Good Taste Restaurant dans Brooklyn, c'est deuxième restaurant Good Taste qui l'ouvre dans la cour New York. Gen yon dans Queens, gen yon qui dans Flatlands Avenue dans Brooklyn. Restaurant ça standard, cap servi bon manger cuisine haïtienne la caille. Bon manger cap servi, toute qualité manger. Et puis nos standards internationaux. Bon qualité, restaurant bel, li prop. Good Taste Restaurant dans Flatlands, il dans 5919 dans Flatlands Avenue dans Brooklyn. Téléphone 718-709-9717. Good Taste Restaurant in Flatlands, 718-709-9717. Brought to you by the Real Estate Power Team, Barbara and Valerio Saint-Louis. Looking to sell, to buy your house, your property, your home? We are your trusted real estate advisors. Barbara and Valerio Saint-Louis, 516-805-5410. Brought to you by Rio New York, the emerging streetwear brand. Look out for it. www.rionewyork.co. Rio New York. Also brought to you by Barbara's Perfume.com. The best exotic French perfumes, beauty and cosmetic products, best skincare and hair products from France and Europe. Barbara's Perfume.com. Located at 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island. Or call to speak to the perfume lady. 516-805-2318. Log into barbarasperfume.com. Click shop and buy. We ship all over the US. barbarasperfume.com. 516-805-2318. Téléimage remercie tout sponsor, tout business qui patronne émission yo. Pas oublier partager live là, abonner sous page nous, suivre nous sous page Facebook nous et puis abonner sous page YouTube nous. Téléimage chaque dimanche à partir de 9h du soir avec Barbara Saint-Louis, Gary Altidor, Valerio Saint-Louis and see you next time next Sunday for another edition of Téléimage.